Alors, ça me va pas du tout ça. Réglage, les réglages. Oh, il n'y a aucun de mes potes qui stream en même temps que moi. Ça, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois lancer un. Non! Pas ça. Je dois lancer un. Comment ça marche? Il y a déjà deux personnes écrit, mais c'est sûr, c'est des bots. J'arrive. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça de commencer. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Oh, mais c'est Corélissane qui est déjà là. Ce n'est pas un bot. Coucou. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu viennes au stream de ce soir, tu vois. Comme quoi. En même temps, c'est un peu plus tard que d'habitude, donc c'est peut-être mieux au niveau horaire. Enfin, tu dis tout le monde, mais à mon avis, Corélie, tu es bien seule. Les gens sont pas encore arrivés. Et je disais, je suis contente, il y a personne qui pour l'instant stream en même temps que je connais, donc je suis pas en train de faire de la concurrence à des autres. T'es prête? Ouais, c'est mieux cette horaire, mais en fait, je m'adapte au couvre-feu. Avant, on était censé être à la maison à 19h, donc je streamais après 19h. Maintenant, c'est 21h, donc et peut-être bientôt je te streamerai à 23h, soyons fous. Non, je ne crois pas quand même. Ne soyons pas aussi fous. Alors, oui, plein de bots. Sinon, il y a Vanillil. Et Kyokun qui est là! Youpidou! Il y a moins de monde que le jeudi, le mercredi. Mais Corinne, c'est toi la super pro de Twitch qui regarde plein de Twitchers et de Twitcheuses. Donc, j'avoue que moi, j'ai. Maintenant, j'ai un peu plus le réflexe de lancer l'appli et de voir s'il y a des gens des fois en live, mais avant, jamais. Maintenant, un peu plus. Du coup, je regarde. Des fois, je regarde plusieurs lives de gens que je connais à la suite. C'est sympa quand même de voir les potes ou quoi streamer. Enfin, les potes, c'est pas forcément des potes, mais. Des gens connus. Quand je serai à temps plein sur Twitch, mais qu'est-ce que tu dis, Coralie? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, non, moi je serai toujours amatrice et genre avec des streams improvisés, improbables. C'est ça le but. Si, 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 tu es spécialiste, quoi. Le jeudi soir, tu dois avoir. Tu dois sortir. Après, c'est vrai que les gens, ils ont des trucs réguliers, donc. Donc voilà. Après, des fois, je regarde mes docs, par exemple. Mais Moguri, il twitch la journée. Je suis désolée, mais moi, la journée, je ne vais pas regarder, je travaille. Donc la dernière fois, j'ai pu passer un coup de vent, juste dire coucou Moguri, mais c'est chaud quand même. C'est le jour J, ton premier 5 étoiles ce soir, obligé. Et Kyokun, tu crois, toi? Je sais pas si je vais faire des tirages. Oui, je vais sûrement faire des tirages, mais bon. Un live surprise, exactement! Nous parlions pas plus tard qu'il y a pas longtemps, et comme tu le vois, bam, Twitch est lancé. En plus, j'ai méga chaud parce que, comme vous le savez, j'habite sous les toits, et là j'ai dû fermer la fenêtre pour pas. Parce que je parle fort, je suis obligée de crier un petit peu, donc je me suis dit, je vais quand même fermer la fenêtre, je vais pas être là. Oui, alors regardez, je tape un slime, un blob! Non, c'est pas possible. Ouais, Moguri en journée, c'est ça. 11h du matin, ça y est, il s'est mis au matinal, lui aussi, c'est la grosse mode. Mais je comprends, hein, tous ces gens qui font des matinales, c'est hyper cool et tout. Surtout quand ça parle un peu de news ou d'actu ou quoi. Mais moi, le matin, déjà, je suis pas du matin, et puis en plus, je travaille, donc. Encore 11h, c'est bien, mais quand les gens, ils font truc à 7h du matin, c'est mort. C'est fou. Utsuri, coucou! Utsuri, Mouik Mouik, Corélie. Et Kyokun sont là. C'est un très bon score. J'entends mes voisins. Ça se trouve, ils vont regarder du foot. On m'a dit qu'il y avait du foot. Donc j'entends qu'ils sont en train de faire du bruit. J'ai peur. Et vous criez. Ouais. En fait, normalement, c'est que PSG, quoi, qu'ils aiment bien, mais. Je suis sûre, ils m'ont regardé. Gotos, le raid à 11h30. Et hop. Ah ouais, Gotos qui. Fais un raid sur Moguri, tu m'étonnes. Gotoz apparemment a grave de succès, on en parlait avec mes potes il y a pas ce week-end. Hein, ils m'ont dit que ouais, il y avait plein de viewers, que c'était bien ce qu'il faisait et tout. Mouik Mouik, les lives en journée, je me comprends pas. Mais Mouik Mouik, il y a des gens qui. Dont la vie c'est Twitch et qui. Voilà, c'est juste que nous on peut pas regarder, mais. Oui.
Oui, Otsuri, nouvel horaire, comme je disais, je m'adapte au couvre-feu, donc... Mais je sais, c'est juste ce soir. Enfin, je sais pas, en fait. Y a pas de business plan, y a pas de plan tout court, donc... Là, c'est 21h parce qu'il fait encore jour, et puis... Et puis c'est le couvre-feu à 21h, mais... Avant, c'était 19h, parce que le couvre-feu était à 19h. Je me suis dit, les gens sont chez eux, ils sont obligés. Et comme je disais, quand ce sera à 23h, peut-être je streamerai à 23h, mais c'est tard. Gotos en matinale. Ah ouais, quand même, 1000 personnes, c'est pas mal, hein, Coralie. Faudrait que je regarde un de ces 4 Gotos, quand même. Moi, je regarde Kamui Robotics, parce que c'est mon pote, mais il fait pas de matinale, je crois. Bah 21h c'est bien, mais 21h comme je disais normalement c'est le prime time quoi, c'est le début de soirée, donc normalement tous les gros youtubeurs, tous les gros twitchers et tout ça, ils commencent leur stream à 21h, donc j'ai pas envie de faire un truc et puis à côté il y a Caro qui fait un méga truc, il y a d'autres gens qui font des trucs bien et puis tout le monde va aller voir les gens bien, c'est logique. Donc j'avais mon petit créneau de l'apéro là, en me disant les gens sont obligés d'être à la maison, enfin bon ça reste aléatoire. Coucou Gringo. Ikkyokun à 23h, quelque chose. Mais là, t'es sorti du boulot, Ikkyokun, ou t'es dans les transports peut-être? Si tu finissais à 21h, normalement, tu dois être en train de rentrer chez toi. Freestyle, streameuse, apéro bagarre. Très bonne phrase de. Très bonne catchphrase, Tsuri, je valide. Oh, le diabuste, hello! Oui, c'est vrai que comme une robotique, des fois, je regarde à 1h du matin et le gars, il est là, oui. Je joue à Final Fantasy, je fais putain, mais c'est super tard. Après, je sais qu'il est obligé avec ses horaires de faire tard avec son gamin et tout, mais c'est vrai que ça fait tard. Caroline commence tôt mais finit tard aussi. Ça y est, ça dénonce ici. Hé, hey, Jado, coucou. Jado, ça y est, il sait que je fais du Genshin Impact, donc maintenant il vient. D'ailleurs, tu n'as pas de petite icône à côté de ton nom, Jado. Il faudra que je m'en occupe un de ces jours. On n'est pas encore rentré. Oui, ben je me doute qu'il y en a qui finissent à peine le boulot ou quoi, mais bon. Alors, je reviens, je fais un petit truc. J'arrive. Bon, ça suffit. Je ferme les fenêtres et tout pour pas hurler trop. Pour pas entendre le foot, je ne sais pas. C'était pas pour ta clé, non, mais je sais bien, Coraline, mais ça fait rire. Parce que Caroline, c'est souvent du just chat et ça dure forcément longtemps. Et dès qu'il y a plusieurs personnes. Moi j'ai remarqué un bel café, on est 3, ça dure 3 heures, on est 4, ça dure 4 heures, c'est 1 heure par personne de blabla. Donc forcément, ça fait du temps, quoi. Coucou, Gélix! Et Metalis, un petit coucou, ça fait plaisir, tiens. Le son du jeu est fort. Ao Shiruban, c'est possible. Parce que c'est la musique, là. Mais en général, après, en jeu, ça passe mieux. Donc, je sais pas. Sinon, je peux le baisser, peut-être. Un petit peu, quand même. Ou alors, je parle pas assez fort. Déjà que je suis. Non, mais après, je me souviens, j'ai regardé un petit replay quand mes personnages y parlent et tout. C'est vrai qu'ils parlent fort. Donc dites-moi, s'il y a au moins d'autres personnes qui me disent que le son du jeu est fort, je baisserai. Mais c'est vrai que moi je m'en rends pas compte parce que j'ai le son de la télé et il est... Bah j'ai une télécommande quoi. Mais c'est donc pratique pour baisser le son. Mais après il faut un bon ratio. Ouh, le chien du voisin qui aboie. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez le chien du voisin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un livreur qui est passé pour la bouffe et que du coup, il veut regarder du foot? C'est Métalis qui dit oui pour le chien. Hello, Yodarge 979. 271, oulala, trop de chiffres dans ces pseudos. Je galère. Oui, alors il me reste 7 jours de la faveur de l'astre de la nuit. Parce que voilà, j'ai fait ma bourgeoise et j'ai dépensé... 4,99€, je sais plus combien. Non, 4,89€ pour acheter cette faveur qui me donne les primogèmes. Voilà, 4 premiers primogèmes obtenus en faisant rien du tout. Très pratique. Alors.
Le son est beau, donc ça va pour moi. Le chien, trop bruyant. C'est mieux la musique du jeu que le chien, quand même. Et au même niveau que ta voix. Bah alors, dites-moi, si ça passe la dernière fois, c'était comme ça. Bon, ça avait l'air d'aller. Après, quand les personnages parlent, il faut que je me teste, parce qu'on m'entend. Dans les combats, je me suis rendu compte que je parlais et on m'entend pas, parce que ça fait bim bam boum bagarre, et moi je suis là, oui, voilà, il est difficile ce monstre. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? C'est bon, mais dit haute souris. Bon, on va faire confiance à cette souris. Et en tout cas, je suis contente que vous soyez nombreux à être venus alors que je change d'heure et que j'annonce ça 40 minutes à l'avance, même pas comme ça. Et il y a quand même des gens qui sont là. Attends, je me reviens pas. Donc ça fait plaisir. Mais Metalis, quoi. Metalis, c'est le Pokémon rare un petit peu. Bien pas souvent, mais ça fait toujours plaisir. Du coup, je suis là parce que je pense que j'avais fait une quête de comment ça s'appelle ? De réputation de Mondstadt, qui est la ville. Elle donne des quêtes de réputation. Enfin, elle les donne pas, elle donne des scores. Mais bon, elle s'appelle Erta. À chaque fois que je la vois, je pense à du jambon, évidemment. Je dis, oui, Erta, je fais tes missions. Est-ce que quelqu'un a fait une blague comme ça ? Non ? Ce Xingyu m'a l'air d'être sacrément balèze. C'est pas un C1 par hasard, m'a dit Kyokun. Qui sait que hier j'ai fait un tirage et que j'ai eu un deuxième personnage identique. Donc Xingyu. Et que du coup, j'ai pu lui mettre une petite constellation hier. Regardez, il y a une étoile qui brille. Donc je suis trop contente. Maintenant, il est un peu plus fort. Il a le parfum est demeuré. Parfum est demeuré. Non, je pense que le parfum est demeuré. Donc je suis assez contente. Moi je l'ai en C3, gna 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 gna, les gens qui ont des trucs plus que moi là, mais vous l'êtes plus longtemps, c'est normal. Et ça fait bim bam boum. C'est plus ton heure. Ah, ton fils est au lit, Thalys, je comprends mieux. Ça veut pas dire qu'il dort. Non, en général, les enfants. Bon, après, s'il est calme et qu'il attend son heure pour dormir, ça va. S'il se relève et qu'il fait plein de conneries, c'est moins bien. Mais s'il est dans son lit tranquillou. C'est déjà pas mal. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est ma partie quotidienne, hein, donc je me suis dit, de toute façon, j'ai pas encore joué de la journée, je vais jouer maintenant. Et si je faisais un stream, toujours très, très improvisé. Pick up mal, gringo. Bah écoute, pas de soucis, merci en tout cas. Le parfum du demeuré. Alors, en ce moment, il y a une quête. Pas du tout ça. En ce moment, il y a une quête. C'est pas du tout ça encore. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Voilà. C'est ma roue. Ma roue des raccourcis, elle marche mal. Donc il y a une quête. Qui n'est pas celle-là. Qui est celle-là. Mimitomo. Bulubulu. Mimitomo. C'est. Il faut traquer ce monstre chelou qui a une balise trop chiante. Et faut le trouver d'abord, faut parler à des monstres, parce que voilà, il faut le trouver, et après il faut le tuer. Et il est super dur, et il appelle 50 000 renforts. Mais j'ai bien avancé parce que j'ai fait, tout cela c'est fait déjà, donc 1, 2, 3, 4 et 5 j'ai fait, en bas là. Et maintenant je vais faire le 6, et après, je pourrais faire le 7 qui est déjà débloqué. Il me reste 4 jours pour finir cette mission. Donc, ça donne 2 monstres à tuer, ça devrait le faire. Ah, ça y est, les autres sont partis en mode gna gna gna, moi mon perso il est mieux. Non, c'est moi, regarde ici, je sors. Pour de rire. Diado et Kyokun, là, les fans de Genshin. C'est bien, c'est des gens qui venaient pas souvent. Si, Kyokun quand même venait. Diado, il venait jamais dans mes streams et tout. Et maintenant que c'est du Genshin. Ils sont plus souvent au rendez-vous, c'est ciblé, c'est le jeu. Alors, voyons. Je vais donc faire, je vais faire cette mission. Déjà, je vais afficher le lieu. Il va me dire où c'est. Voilà, donc c'est là-bas, je peux regarder ma carte. Et ma carte me dit que c'est... Où est-ce que c'est ? Ici. Tout au bout du cap de la promesse. Bah donc je vais y aller. Je vais pas y aller à pied, hein, parce que pas que ça à faire. Je vais me téléporter. Non, attendez, je suis en ville, je vais d'abord faire mes trucs de la ville. Je fais pas n'importe quoi. Je vais aller d'abord chercher
Mais récompense de... C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Je fais n'importe quoi. Et d'avoir cherché mes récompenses de mission, là. Et ensuite, je vais aller... chercher le... Bah, c'est pas un bokoblin, mais j'ai encore oublié les noms des monstres de ce jeu. Les Brutulonus. Je suis pas du tout en mode Zelda, ne vous inquiétez pas. Pas du tout en train de parler. Hey, Oziote qui est arrivé! Pourquoi Oziote? Voilà, Smiley avec une main géante, ça fait presque peur. Alors, qu'est-ce que m'ont dit? Voilà, récompense d'expédition. Alors, j'ai déjà expliqué les dernières fois, donc je ne réexplique plus, mais bon, en gros, j'ai envoyé des persos chercher des trucs. Et là, je les récupère en faisant rien. C'est très pratique. Et je les renvoie chercher d'autres trucs. Bah, donnez-moi du poulet et de la viande. Hop. Et à la place, et je les renvoie chercher du poulet et de la viande. Carottes et radis. D'ailleurs, ils appellent ça radis, mais c'est plutôt un navet, hein, les mecs. Je pense qu'ils voulaient pas qu'on dise qu'ils ont copié sur Animal Crossing, donc on dit c'est un radis. En fait, c'est un daikon, mais daikon, c'est un très radis navet, quoi. Mon Chongli est devenu insane, level 90. Eh ben ça va, Jado, tranquille. Moi, je n'ai pas de Chongli. Alors, Mouik Mouik, oui, c'est vrai que Mouik Mouik, tu joues au jeu maintenant, donc tu connais tout. Ça se débloque, les expéditions, ça se débloque au niveau... je sais plus, mais pas tout de suite. Donc si tu les as pas encore, c'est normal. Elles arrivent après. Je vais regarder si c'est écrit dans récompense du niveau d'aventure. Donc, moi je suis niveau 32 d'aventure. Niveau d'aventure, c'est en fait c'est le niveau global, mais c'est ce qui compte pour la plupart des trucs. Et je pense que cette expédition c'est niveau... J'aurais dit 12, mais... Non, c'est pas 12. Donc c'est après. Voilà, c'est au niveau 14. Que tu peux déverrouiller système de mission et d'expédition déverrouillée. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore le level 14, Mouik. Level d'aventure niveau 15 ou 16. Ah, tu as dû rater quelque chose. Alors, il faut que tu ailles parler à Catherine. Ça, j'espère que tu le sais, il y a un petit moucheron. Tu parles à Catherine, tu prends la récompense et ensuite elle te dit qu'il y a des expéditions. C'est dans son menu, hein. Là, tu lui parles et hop. Encore le chien. Et là voilà, ta expédition, et tu peux envoyer des persos chercher des cadeaux. Les îles estivales du Ado. Ouais, moi aussi, je vais me tarder. Mais ça, ce sera pour cet été. Non, ah, tu fais que les missions quotidiennes, mec. Bah, dis donc. Il faut débloquer. En plus, faut débloquer. Au début, faut débloquer un peu la carte, faut explorer. C'est quand même. C'est mieux. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va voir le bout de le cap de la promesse. J'ai dit, hop, on y va, on se téléporte. Parce que la flemme de marcher. Et en même temps, il n'y a pas de cheval et tout ça. Je suis désolée, mais dans Zelda, ou même dans Phoenix Rising, il y a des montures. On peut avoir une licorne, un poney, un cheval, ou un truc maléfique. Ah, un événement surprise. Merde. Un événement surprise qui est juste pas loin. Je fais événement surprise. Oh putain, il y a des mecs. Je fais événement surprise en évitant le camp des méchants. Oh putain, il y a des monstres partout. Bah où est-ce qu'il est maintenant? Ah merde, je l'ai complètement. Je suis passée à côté et je suis allée à l'autre mission. Éliminer tous les monstres. Ah mais non, mais c'était ça en fait. Ok, bon, bah j'y vais. C'est ça, c'est des événements surprises. Bon, oh merde. J'ai dit, lui, il faut absolument l'éviter, mais. Détruisez les tours. Moi, je détruis la tour. Ah oui, donc là, vous m'entendez moins parce qu'il y a de la bagarre. Donc j'arrête de parler pendant la bagarre. C'est vous, c'est pas vous qui le dites. C'est beaucoup d'ailleurs. Il fait peur. Donc, je mets son bouclier en feu. J'attends que son bouclier crame. Merde. Ça y est, plus de bouclier, maintenant j'attaque. Non, pas lui. Lui. Ah putain. Concentrons-nous. Oh putain, voilà, il est bien. Un peu d'eau. Tu avais soif, tu battes sur monstre.
faut que je me dépêche de m'en débarrasser. Ouh, c'est bon, je vais esquiver cette fois. Je vais t'émailler. Un peu de feu pour aller avec vous, ça va bien ensemble. Hop. Non, il va refaire son bouclier, j'aurai pas le temps de le tuer avant. Bon bah, il faut que je redétruise le bouclier. Bon, ça commence bien, c'est pas du tout ce que je comptais faire. Coucou Vanille, je suis désolée, je te parle après le combat. Allez, il a emmené tous les blobs du truc, putain, mais... Bon, allez, c'est tout ce que je peux dans la vie. Mais c'est fatigant, là. En plus, détruire les tours, mais on s'est éloigné du camp de 120 000 km. Elise, coucou. Je vois mal le chat, donc je finis d'abord ça. Événement terminé. C'est bon, j'ai réussi, alors. Hop, ça je prends. Les blobs, ils se barrent. Là, et j'ai tué le gros gars, les mecs, ils se barrent. Bon, bah nous, ça nous intéresse plus. Super. Oh, mais je croyais qu'il y avait d'autres mecs et je les ai pas tués. Oh, mais cassez-vous. Bon. Pas du tout ce que je voulais faire. Ça y est, on est pas tranquille, non, toi, le bébé là. Non, je récupère tous les trucs. Voilà. 30 secondes de tranquillité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je tapais des mecs? Je pensais que le reste c'était du multi. Non, mais clique pas tout. Il y a vraiment plein de trucs hors multi. Hein. Donc, Vanille est arrivé. Pixlys qui est là. Enfin, Liz. Ça fait plaisir de te voir. Et Chongli m'a aidé à faire un succès qui dit utiliser une attaque de plus de 50 000 points. Ah, ah oui, ça fait une grosse attaque. Moi, mes attaques les plus grosses, elles doivent faire 1500 points. Voilà, ça doit être ça. Peut-être 2000 points, c'est peut-être le max que j'ai fait, mais bon. Ah, merci Métalis de faire un GG. On voit quelqu'un qui suit ici. Parce que les autres. Pff, ça se détruit le pôle bleu. Le pollen bleu. Oui, Mick Mick. Mais Mick Mick, il joue au jeu, j'ai l'impression qu'il est encore plus débutant que moi. Mick Mick, les dents de lion, là, comment ça s'appelle? Les pissenlits, les graines de pissenlits. Mais comme dans la vraie vie, il faut souffler dessus. Donc tu prends ton personnage qui fait du vent, tu souffles sur les graines de pissenlits et tu récupères la tige avec les graines, en fait. Et donc tu peux t'en servir pour faire à manger, il y a des personnages qui t'en demandent après et tout. Donc voilà. Ah, ma lampe qui se casse. Ma lampe s'éteint toute seule de temps en temps, c'est normal. Oh, allez, elle ne se rallume pas. Pourquoi elle ne se rallume pas? En fait, elle chauffe un peu. Je sais pas ce qu'elle a. Elle chauffe pas en plus. Ah, ça y est. Hop. Ah, non, je me suis trompée, j'ai mis du vert. Voilà, du blanc. C'est vrai que je peux faire en mode disco. En plus, je devrais mettre ma lampe en mode disco, ça c'est n'importe quoi. Oui, alors moi aussi j'ai mis quand même, j'avoue, Mick Mick, je me moque de toi, mais en vrai, enfin, je me moque pas, mais en vrai j'ai mis un peu de temps moi aussi. C'est vrai que les personnages ils parlent tout le temps dans ce... J'ai mis un peu de temps à comprendre aussi qu'il fallait souffler sur les... Enfin, faire du vent sur les pissenlits, j'étais là, mais comment on ramasse les... Forcément, ils sont là, ils brillent et tout, ça doit servir à quelque chose, mais comment on fait? Donc j'ai mis un peu de temps. Alors, donc ma mission où je dois parler à un Brutolinus, là, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, il y a un cercle orange, et donc je rentre dans le cercle orange. Et normalement, il y a des gars, enfin des monstres, éparpillés un peu partout. Et il faut que je trouve celui à qui je peux parler. Et les autres, en fait, ils ont l'air d'être là, on peut leur parler, c'est des gars sûrs et tout, sauf qu'en fait, on leur fait hey, salut. Et là, ils font quoi? Et ils veulent te taper. Donc il faut trouver le bon. Et du coup, dans la zone, ils en ont mis 4-5, je crois. Et en fait, maintenant, je sais repérer le bon, à peu près. Une fois, je me trompe quand même. C'est un mec qui danse. Et qui danse chelou. Genre, lui, il danse chelou. Donc, je pense que c'est lui. Mais j'ai un doute quand même.
Parce que des fois, ils dansent chelou, et, mais ça, ils sont juste énervés. Donc je regarde un peu s'il n'y a pas un autre qui danse encore plus chelou dans le coin. Et sinon, j'irai parler à lui. Parce que c'est chiant à chaque fois. Il faut tous aller les voir, ils nous attaquent. Ils sont pas très sympas. Donc lui, est-ce qu'il danse chelou? Non, lui, il marche. Bon, à mon avis, c'était lui, hein. Lui, là-bas, il marche aussi. Et là-haut? Il y en a un là-haut, non? Il est assis tranquille, donc ça doit pas être lui. Donc je pense que c'est lui là-bas. Il a l'air chelou et voilà, il danse devant une falaise. Je veux dire, personne ne fait ça. Donc c'est forcément lui. Si tu as jean, tu es obligé d'avoir des dents de lion, sinon bah dommage. Comment ça? Non, j'ai pas jean de toute façon. T'as 4 persos, Mick Mick, ouais, mais si je comprends. Mais c'est bien, hein, c'est les 4 persos du démarrage. Moi, je les ai eu à un moment aussi. Voilà. Donc là, je peux lui parler. Ça lance un événement. Yeah, j'ai bien trouvé. Et donc, je suis avec cette petite fille qui est en fait une experte en Brutocolinus. Et grâce à elle, on peut comprendre ce qu'ils disent vaguement. Et elle a un dictionnaire. Donc, des fois, elle te dit va regarder en dico ce qu'il raconte. Donc, mais Upano. Upano est en bleu, ça veut dire quelque chose d'important. Il semble vouloir quelque chose. Donc, il veut Upano. Upano, c'est quoi? Consulter le manuel. Oui. Et maintenant, il y a toutes les notes qu'elle a prises, elle, et il faut que je trouve Upano, ce que c'est. Voilà, Upano, terme difficile à expliquer, voir note ci-dessous. Ce terme renferme l'idée de hauteur, de mouvement ascendant, de vol. Est utilisé en affixe d'autres noms. Il peut signifier, le cas échéant, insecte, oiseau, nuage, éclaireur. On peut même servir à décrire un compagnon volant. Bon, à mon avis, il veut un insecte. Et j'en ai. Donc je vais lui filer un insecte. Attendez, un insecte volant peut-être. Non, un insecte. Si ça veut dire. Ouais, c'est un insecte qui vole, ça. Ou panneau. Bon, je vais donner un insecte, il n'y a pas de problème. Oui, alors à chaque fois ça change de perso pour mettre le personnage principal. Quand je fais des dialogues, je devrais prendre le personnage principal parce que ça m'énerve que ça change pour rien. Un insecte. Alors. Un insecte qui vole. J'ai quoi comme truc qui vole? Faut bien avoir un papillon là dans le coin. Ouais, là j'ai le papillon. 23 papillons. C'est chiant à attraper les insectes. Tu peux pas demander un truc que j'ai en plus grosse quantité là? Qui relou. Allez, prends le papillon et dis-moi que c'est ce que tu voulais. Cadeau. Est-ce qu'il est content? Oui, Mimitomo, ça veut dire merci, je crois. Donc il est content. Missimita, je lui réponds. Non, Mossimita. Encore un mot de confirmer. Ben voilà, donc c'était bien ce que j'avais trouvé. Donc maintenant, donne-moi tes renseignements en langue de monstre. Il ne sait pas non plus, mais on doit demander à quelqu'un qui va voir. À chaque fois, le premier, il sait pas. Tu lui files un truc et tout, et puis il fait ah, ben en fait, je sais pas où est le monstre bizarre. Mais va voir mon pote qui est à l'autre bout de la map, parce qu'ils ont toujours des potes à l'autre bout, je sais pas comment ils font. Voilà, son ami sur la carte, donc on va y aller voir. Pour avoir le renseignement demandé. Je te jure. Le paysage est sympa, je comprends qu'il dansait ici, moi aussi je me mettrais à danser face à ce paysage, c'est quand même mignon. Alors. C'est les dada. Ça y est, Ikukun il est en mode. Ah, Mimitomo. Mimitomo, j'aime bien. Jado et Ikukun se parlent en bruto machin là. Ouais, Mick Mick. Mais Mick Mick, tu dois l'avoir cet événement aussi. C'est un événement ponctuel donc tu le fais pas. Chut. Parlez bon. Si tu le fais pas, tu vas rater des cadeaux que tu pourras pas avoir après. Donc ça craint. Ça, c'est le piège de ce jeu. C'est que moi, à chaque fois, je me dis, vite, il faut que je fasse tous les événements, sinon après, j'aurai pas les trucs. Alors que c'est des meubles, j'ai même pas. C'est des meubles pour ma maison, j'ai même pas encore de maison. C'est pas le housing, là, tout le monde en parle, moi, j'ai pas ça. Mais je veux quand même les meubles. Je me dis, oui, mais plus tard, quand j'aurai une maison, je pourrais mettre des meubles dedans. Alors là, il y a un gros rond, mais ça, c'est notre mission, c'est pour un monstre, donc je vais pas y aller. Parce que maintenant, j'ai compris ces missions-là aussi. Et l'autre, elle est. Où est-ce qu'elle est? Elle est super loin. Genre, c'est son ami, il habite à 250 000 kilomètres. Donc il habite en Chine. C'est la Chine. Il habite là. Évidemment, le téléporteur ici, il n'est pas activé parce que je suis jamais dans cette région, moi. Comment je vais faire? Si je vais aller là? Ah, mais il faut que je monte après, ça va être trop chiant. Ou alors je vais là.
Non, là c'est mieux, comme ça après je peux voler jusqu'ici. Allez, je me téléporte là, en plus c'est une statue pour me soigner. Très bonne idée. Ça te rappelle Animal Crossing, Métalis? Quelle partie du jeu? Parce que parler avec des monstres, non. Sauf si Tom Nook est un monstre. Ah, le truc où tu veux te connecter tous les jours. Ah oui, pour avoir des meubles, et oui, je comprends mieux. Effectivement, je parlais de ça. Pour avoir les meubles et tout, important, effectivement, c'est un peu Animal Crossing. Toi, t'as la maison de Jadot, mais arrêtez de frimer avec vos trucs, hein. T'as zéro joué depuis lundi, week week. Oh, manque de temps. Oui, ça, c'est le travail. On devrait être en week-end toute la semaine. Yeah, c'est nul, le travail. Oui, mais faut ce plan, Métalis, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, je crois que c'est des plans, en plus, qu'on trouve aussi. Je suis pas sûre. Alors, la statue, où est-ce qu'elle est? Hop, je me soigne d'abord. Ah, mais attendez, j'ai... Ah non, c'est la statue de Chine, ici. Non, j'ai rien dit. Il faut que j'aille une statue de l'autre continent. C'est où? Ah, c'est là-bas. C'est bien, ce petit faisceau discret qui te dit il faut aller là. Je suis pas obligée de le mettre, hein, mais... Quand même, comme la map est grande, vaut mieux savoir en bas. Coucou, Rokmanchi! Des gens, c'est bien cet horaire, il y a des gens qui arrivent à n'importe quelle heure du coup. Donc c'est en mode soirée quoi, moi je suis en mode apéro mais ça va pas du tout. D'ailleurs vous m'avez pas demandé de boire mais je bois un petit peu. Parce que bon, c'est pas vraiment l'apéro mais enfin, donc à votre santé. Il fait cool, t'aimerais bien qu'il y ait un faisceau IRL comme ça quand tu refais un truc, c'est vrai que c'est pratique. Alors où sont mes clés? Ah là-bas. Tu sais où un truc qui brille? Alors, je vais voler jusque là-bas. Ça va être très très haut, je pourrais jamais. Hein. C'est pas grave. Allez, mais saute et vole, quelle bête. Y a pas d'air pour l'apéro, Elise. De toute façon, dès que c'est l'été, moi, le apéro, ça dure toute la soirée. C'est un peu ma manière de manger. Mais... J'exagère, mais bon. Pas forcément vrai. En vrai, j'ai déjà un peu mangé et puis maintenant, je refais l'apéro. C'est n'importe quoi. Attendez, j'essaie de lire en même temps. Non, ça va, j'ai rien raté. Je crois que Gringo il s'est déconnecté. Alors, j'ai pas le temps pour les blobs. Oh, c'est joli cette lune là. Même si là elle est en train de se coucher, non déjà? Comment ça se fait? Par contre, ça manque. Il y a le changement de temps, il y a le changement d'heure comme dans Zelda Breath of the Wild. Mais il n'y a pas d'horloge, enfin il y en a une dans le jeu qu'on peut changer, mais elle est jamais indiquée l'heure. Donc c'est démerde-toi en fait. On peut jamais trop savoir quelle heure il est. Donc ça je vais éviter putain comme la peste parce que je déteste ces trucs. Les petits sangliers de rochers là. Pas du tout ça. Alors je suis dans la zone. Ouais mais c'est en haut, je sais que c'est en haut. Faut que je monte. Est-ce que c'est... Oui c'est en haut, je peux monter par là. Donc je suis dans la zone du deuxième monstre, Brutolinus là. Ah, lui il danse chelou déjà, on est d'accord. Mon avis c'est lui. Hein. Ah, mais il fait des cris bizarres, parce que des fois ils sont juste énervés, ils sont pas en train de danser chelou. Donc je vais voir s'il n'y en a pas un autre qui danse chelou sans faire des cris bizarres. Et il fait quoi lui? Alors, lui il creuse un trou, je sais que c'est pas lui. Ah voilà, lui il danse chelou. Sans faire de cris bizarres. Faut vraiment, c'est un truc, faut avoir l'œil. Hein. Je me suis fait avoir 25 fois. Donc je vous remontre la différence. Où est-ce qu'il est? Bah, il est dessus, je sais plus où il est. Je suis montée par là, donc il est là, oui. Donc lui, on a l'impression qu'il danse chelou. Mais en fait, il est énervé. C'est différent de danser chelou et être énervé. Donc on va pas le parler, parce qu'il va juste vouloir nous frapper. Comme tous les gens énervés, hein, faut éviter de leur parler. Et l'autre, que j'ai aussi pas retrouvé où il est, voilà, lui il danse chelou en mode heureux de la vie. Donc c'est lui qu'il faut aller voir. Je vous explique toutes mes astuces, Gachi. Salut bro! Alors, dis-moi ce que tu as besoin. Normalement, lui, si je suis tout, il va me dire d'aller te frapper des monstres hyper puissants qui l'embêtent à certains endroits. Donc je vais devoir aller frapper des mecs. Et après, je reviens et il fait: ah oh, merci! Bon, ben l'indice c'est là-bas. Enfin, vraiment, je suis le larbin de tous, même des monstres maintenant. D'ailleurs, c'est joli, il y a des feuilles de Ginkgo Biloba là. C'est très joli. Alors. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Rien du tout. Vous êtes hyper sage sur le chat, ça fait plaisir.
Vous êtes très sage. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il parle en monstre. Mimi Tomo, Mosimita. Tomo Mosimita. Tomo Mosimini Mini, Mani Mani. Oui, ça parle un peu comme Animal Crossing. Bon, ils parlent. Je ne sais pas comment ils font, mais on dirait qu'ils s'entendent bien. Ça, c'est moi qui dis ça par rapport à la meuf qui parle avec lui. On va dire ça devient lui. Il veut bien devenir notre ami, mais il a une faveur à demander. Oh, bah, ça m'étonne beaucoup, ça. C'est la première fois qu'on me demande une faveur dans ce jeu. On doit l'aider à se débarrasser d'ennemis difficiles. Ah, c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Il a indiqué leur emplacement sur la carte. C'est bien, ils savent dire où c'est. Dada Valo. Valo. Elle s'appelle Ella Musk, la fille, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Elon Musk. Enfin, vous voyez de qui je parle. Alors, l'emplacement sur la carte, c'est où? Normalement, c'est pas trop loin parce que c'est des mecs qui les. Là, c'est moi, voilà, ça va. C'est des mecs qui le font chier, genre. Je me fais bully par des gars au lycée, tu peux pas aller leur expliquer la vie? T'inquiète, petit, j'y vais. Et donc, en général, ils sont pas trop loin et... parce que c'est des vrais durs. J'espère que c'est pas les sangliers que j'ai croisés tout à l'heure. Hein. J'ai un peu peur que ce soit ça, les putains de sangliers des roches là. On dirait des feuilles de Momiji? Alors, non, Jado. Les momiji, c'est de l'érable, donc c'est un truc avec 5 ou je sais pas combien. Bon, beaucoup de branches, 5 je dirais. Alors que le Jinko Biloba, c'est une espèce de petit cœur comme ça là, comme on peut voir en premier plan. Jaune. C'est très très beau à l'automne. Par contre, le Jinko Biloba, il y en avait un dans ma cour du lycée, ça fait des fruits qui puent dégueulasse l'enfer. Ça sent le vomi et le caca mélangé de bébé, donc un truc qui pue l'enfer. Quand ça tombe par terre, que c'est pourri et tout, évidemment on avait ça dans la cour du lycée. Donc les mecs, qui me bullient comme dans le jeu, et ben ils kiffaient envoyer ça sur les meufs. Genre, hey, le fruit dégueulasse, et je te l'envoie dessus. Que les meufs évidemment, ça doit être encore une technique de drague incompréhensible, qui ne marche pas, hein. Je vous le dis, ne le faites pas ça, c'est nul. Vraiment mauvaise idée. Voilà Elise, ça sent le vomi et t'as tout résumé. Enfin c'est pas l'odeur du durian là, c'est vraiment un truc impossible. Un fruit, le fruit le plus immonde de la terre. Mais je crois qu'il y a des Jinko qui ne font pas de fruits, c'est que les Jinko femelles ou je sais pas quoi, évidemment. Ceux qui font des fleurs, j'imagine. Oh putain, c'est des grosses brutes. Je me demande si la mission, elle devient pas de plus en plus dure selon les lieux. Ma lampe s'est éteinte encore, hein, donc ça. Parce que eux, ils sont méga forts, moi je sais pas me battre contre eux, hein. Surtout qu'ils vont appeler des renforts, je crois, après. Oh, je sais pas. Je crois qu'après, il y a des renforts. Bon, c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Ça doit être délicieux à manger. Alors non, Kyokun est fan de durian. Hein. C'est le seul au monde que je connais, avec Wangibo, les deux. Mais non, c'est pas bon. Ah, t'as dit ça avec les deux, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, c'est vomi... Ah, vomi de vieux clodo, selon Lise. Il y a des petites nuances. Moi, j'aurais dit vomi et diarrhée de bébé, mais bon. Après, l'arbre est joli, mais les fruits, non. Et puis, ça se mange pas, hein, je vous le dis, Cocoon. Tu ne manges pas, tu fais pas des milkshakes avec, c'est juste, ça pue. Ça doit attirer des insectes, je sais pas quoi, pour que l'arbre... Enfin, je sais pas, ça doit être un truc de la nature, hein, mais je ne sais pas qui ça attire, avec cette délicieuse odeur, mais en tout cas, pas les humains. Ou pas les humains normaux. Bon, comment je vais les attaquer? En plus, ils craignent quoi, eux? Un truc, c'est des trucs électriques, je sais pas. Bon, c'est pas grave, j'y vais comme une bourrine et puis advienne que pourra. Hein. Hop là, on les attaque comme ça, bam! Oh non, pas du tout ça! Ah oui, protection. Le temps de détruire! Ah putain! Il y a un bouclier. Difficile. Vas-y, il peut pas me taper là, mais si, il m'a tapé. Vite, vite, mon bouclier! Voilà. C'est peut-être pas du tout la meilleure technique que je fais, hein, mais bon. Ah oui, il y a un truc électrique. Attends! Alors, je vais faire comment faire ça? Électrique, ils aiment pas le feu. Oh, j'ai plus de bouclier!
Alors, je peux pas lire pour l'instant, hein, mais je... D'accord. Putain, il est violent, ce type. Et l'autre, il est où? L'autre, il est mort? Non, il est pas mort. Ah non, il est en ninja. D'abord, je tue. Mais non, mais pourquoi il a regagné toute sa vie? Non, c'est un autre encore, non? C'est pas même plus du début, celui-là. Oh, je suis en train de mourir, je ne sais pas ce que je fais. Je suis morte. Je vais refaire revivre mon perso qui est mort, que j'ai pas fait gaffe, que garder toute sa vie. Ça va trop vite la vie là. Nul. Et je vais lui donner ça. De mourir aussi. Hop, et puis un petit truc pour qu'il regagne sa vie tout seul là. Voilà. Oh, c'est absurde. En dessous de mes persos, en plus, je faisais la vie, il y a une jauge de satiété en fait, de trop manger. Et donc, si je les gave, ils font je veux plus rien manger. Donc, c'est chiant parce qu'après, on peut plus se soigner. Hop. Non, laisse-moi fuir. Oh, j'avais trop loin parce qu'après sinon je pense que j'abandonne le combat et ça revient à zéro. Mon enfant, je la pluie. Ah oui, j'ai pas touché maintenant. Mais non, je veux pas taper lui, je veux taper l'autre. Tue-le. Oui, il est mort. Ah putain, il y a du renfort. Oh putain, c'est encore des mecs trop forts. Ils sont trop nombreux, ils sont trop forts. Je ne sais pas du tout les bonnes techniques, mais je sais pas. Oh, elle a plus de bouclier déjà, c'est pourri. Non, laisse-moi. Ah, c'est trop dur là. Ils sont trop nombreux. Laisse-moi partir. Non mais regardez ces attaques de ouf. Je veux jamais m'en sortir en fait, je veux pas pouvoir le faire. Et je peux même pas utiliser un truc pour la faire revivre. Oh, ça me... bah gringo... Concentre-toi sur le chemin et le c'est la cata. Non mais eux ils sont trop durs, Mikwik, là je m'en sors pas. Hein. Mes collègues, ça n'a pour rien de nous ramener des bonbons durian. Mais oui, mais ça c'est la base, Matalice. Moi je ramène toujours à mes collègues aussi parce qu'ils détestent ça. Ah non mais il fait 34 secondes, donc c'est bon. Hein. Enfin, 30, j'ai fait que 4 secondes, bon. C'est presque bon. En attendant, je vais te donner à manger. Donc de la gelée par exemple. Oui, un petit peu. Et puis dès que je peux, je fais revivre elle. Bon, alors, comment je peux faire? On voit rien en plus. Non, vraiment, c'est la cata. Ils sont trop nombreux, je vais pas pouvoir le faire en fait. Déjà, j'en ai tué un et j'étais fière, mais c'est mort. Hein. Deux secondes pour l'autre. Non mais il faut pas que je fasse comme ça en plus. J'ai chaud, j'ai hyper chaud là de la bagarre. C'est horrible. Bon, je suis mal partie, je vous le dis. Je vais jamais arriver à les tuer en fait. T'en manges une dizaine en petit déjeuner, Jado? Oui, bah ok, mais pas moi. Oui, concentre-toi sur la voiture, gringo. Pas de bêtises, sur le chemin. Le son n'a aucune utilité là, t'as juste des combats. J'ai déjà plus de vie. Bon, je crois que je vais abandonner en fait, je vais pas y arriver. Hein. En fait,
fait, les défis deviennent de plus en plus durs. Là, je m'en sors pas ici. Hein. En même temps, je suis dans une zone où je n'ai même pas exploré. Donc... Mais ils sont 1000! Bon, j'abandonne, hein. C'est pas assez fort, je pense. Bon, faut le faire à plusieurs, je sais pas. Bon, allez, ils sont 25 en même temps. Mais comme ça, là, je peux en battre deux. Je peux pas en battre... Et j'en ai déjà battu un. Vraiment, c'est... Ils me suivent. Casse-toi, le ninja. Bon, j'abandonne. Et Kyoko, ils sont très forts, attention. Ah merde, je suis dans la mauvaise zone. La fuite ratée. C'est bon, il m'a pas vu. Ouh, il est chaud. Bon, bah c'était super. Je voulais vous montrer un truc. D'habitude, j'ai bien maîtrisé toutes les autres missions, mais celle-là, non. Hein. Bah, j'ai bien avec Kokun, mais du coup, je pourrais pas les battre. En fait, les missions, elles ont maintenant utilisées alors. Tu m'étonnes qu'il se faisait bully l'autre. Là, genre, je me fais un peu bully. Bah oui, ils sont trop méchants. C'est pas ça que je voulais. Ça. Boule. Donc lui aussi, c'est impossible quoi. Comment je vais faire? Trop triste. Voir la récompense. 2 points de flèche de merde. Super. Et... Comment je peux le faire? Non, je peux rien faire en plus. Je suis en train de perdre toute ma vie. Bon, bah tant pis, hein, je pourrais jamais faire cette mission. Ah, mais je suis triste, ça veut dire que les deux derniers trucs, je les aurai jamais, quoi. Alors que j'ai fait tous les autres. En même temps, je me demande ce qu'il y a comme meuble, plan de meuble à gagner. Je n'aurai jamais la réponse. Trop triste. Mais lui en fait c'est pas un mec d'ailleurs qui est venu en plus. Parce que là regardez il est là. Ça se trouve c'était pas eux qui fait tuer si c'était eux. Si c'est juste que lui il est venu se joindre à la fête. Merde non. Oh putain. Bon écoutez je vais casser. Trop chiant. Bon, j'en sais. Ah c'est trop dur. Pourquoi tant de haine? Même Yomni, je peux pas les battre parce qu'ils sont trop forts et trop nombreux et que je perds toute ma vie en deux coups avec eux. C'est une sorte de level, je veux pas le level. J'écris uniquement sur le feu rouge, Rigo, mais arrête tes conneries! Putain, un haut! Je veux pas d'accident de la route dans mon stream, hein. C'est quoi ça? C'est le mec qui vient pendant un embrouille pour en rajouter. Mais Metalis, c'est comme ça. En plus, il est en mode ninja avec des griffes. Trop chiant. Ah, il y a Liz et l'ami Omni qui se connaissent du coup et qui vont voir. Enfin, hey, salut, quel hasard de te trouver là. Gringo qui va regarder en plein écran. Ça vaut pas le coup, hein. Parce que là, en plus, je viens de faire d'échouer. Lamentablement, même, j'ai envie de dire. Je suis triste, moi je voulais faire ça en mission. Bon, c'est pas grave, on va faire la mission quotidienne, ça c'est facile. Faisons nos missions quotidiennes, tranquillou. Le truc bateau. Plutôt que des trucs compliqués. On va faire ça, voilà, des soucis givrés. C'est dans le froid, ça me plaît pas, mais allons faire ça quand même. Alors désolé, je repars, je ne fais pas du tout ce que j'ai dit, je vais faire autre chose. Je vais voir ici, voilà, périphérie de la cité en fuite, très bien. Un téléporteur qui n'est pas activé, bravo Siro, elle a vraiment rien fait dans sa carte. Comment j'y vais plus facilement alors? Si, il y a lui là, à la limite. Ouais, mais c'est la périphérie, je vais pas aller de tout là-haut. Ou lui, mais il faut traverser la mer. Putain. Même les missions quotidiennes, c'est dur, c'est quoi ce bordel? Bon, allez là. N'importe quoi. Hello. Ah, Mionipu veut m'aider ce week-end.
Eh ben écoute, oui, il est possible que je sois pas beaucoup à la maison, mais le soir, je serai obligée d'être rentrée. Et là, regarde, là c'est là, il doit être très très tard pour toi, mais apparemment tu es connectée, donc pourquoi pas. Mais bon, effectivement. Alors, on va aller là-bas. Ah, je suis blasée de ouf. Donc je pourrais jamais faire cette mission là, c'est vraiment triste. Tristesse les amis, la tristesse. Ouh, il faut traverser ce petit... Oh mais calmez-vous, arrêtez de vouloir m'attaquer tout le temps. Alors j'ai pas le temps pour les moustiques. De toute façon il va me suivre. Je sens qu'il va me suivre. Un coffre là, oui. Je vais passer à côté du coffre avec Yokuni, il aurait hurlé. Mais ça c'est un coffre piège et il y a des ennemis qui vont apparaître ça. Hein. Même pas. C'est plus ce que c'était hein, les pièges. Hein. Oh, je mets tes quizards. La folie. Trop de gens qui sont connectés ce soir. Et Kyus aussi. T'arrives qu'à la fin. Ben non, Kyus, parce que j'ai commencé à 21h, donc je commençais tard. Et j'ai fait des échecs. C'est des trucs pas terribles. Un coffre, ça y est, Kyukun s'est réveillé. Ouais, ben. Je sais pas si on peut faire les events à deux, je suppose que oui. Avec de l'aide. Mais là, les brutos machin, je peux pas les battre, les mecs, avec leur. Leur napalm, que c'est de l'eau en fait, et tout, ils sont trop forts. Et le mec avec son marteau d'électricité. Enfin, je peux en battre. Je peux en battre. Un, ça va. Deux, ça peut aller. Mais là, ils étaient quatre. Quatre, ça va. Quatre, j'ai pas le temps de me soigner. Qu'il y en a deux autres qui me tapent déjà. Alors, c'est pas possible. Ah, il y a un truc rouge là-haut. Oh putain, il est mis. Qu'est-ce que je dois faire là? Mission déclenchée, éliminer tous les monstres. 10. Ça fait du monde quand même. Et en plus, il y a de la neige. Non, mais j'ai que des trucs durs, c'est pas possible. Je vais rentrer. Ah, je l'ai jamais vu. Oh, détruisez-moi, c'est le mur. Bon, alors du coup, je voulais faire des petites missions tranquilles et je me retrouve dans des trucs méga durs. C'est pas grave. Il a déjà fait le bouclier, là? Je vais le cramer. Ici, le feu, à mon avis, personne n'aime vu qu'il c'est des mecs de glace. Toi, un peu d'eau. Non, mais l'eau, ça va me lasser. Damn. Allez, à chaque fois que je fais de l'eau dans la neige, je congèle. Et là, je suis en train de. Je vais perdre la vie bientôt parce qu'il fait froid. Terminé. Je vais encore un truc que je vais pas arriver à faire, il y a trop de mecs. Oh, mais on va perdre de vie. Comment je me sors de ça? Vous avez des conseils de survie dans le froid? Il y a pas un feu pas loin d'ailleurs. C'est un camp là, y'a pas un feu quelque part? Je peux allumer? Putain, je suis trop blasée! Si, ça, c'est un feu ça! Oh merde, je suis morte! Putain, c'est la putain de cata ce soir! Normalement, c'est jamais comme ça le jeu! Le jeu, c'est toujours tranquille et tout! Et là, je me suis juste fait des trucs un peu challenge, mais c'est pas comme ça d'habitude! Merde, c'est pas elle que je veux soigner! C'est la merde. Là, allume le feu, arrête de taper des monstres. Je me réchauffe, j'ai pas le temps de battre contre vous. Non, les elfes, tiens. Je respecte du feu, moi. J'ai pas votre temps, les mecs, pour battre des mecs. C'est quête en mode chill. Mais oui, putain, il écoute, c'est tellement ça, je suis tellement blasée. Pas du tout ce que je voulais faire, pas du tout tranquille, moi.
Pas tranquille, un peu challenge, mais pas. Pas 80 monstres alors que je suis niveau 40, quoi. Là, faut pas trop s'éloigner, mec, parce qu'après c'est la merde là-bas. Reviens, on revient près du feu. On revient près de tout d'ailleurs, parce qu'après le défi va se réinitialiser. Venez par là, il fait bon. Près du flambeau là. Allez, meurs, il va revenir sur le pied. J'ai pas le temps. Oh, pas lui! Allez! Voilà, il est mort. Combien il me reste à tuer? 2, 3, 8, 9, 10, 3. On pourrait faire. Oh putain, c'est un truc qui explose ça. Le feu s'est éteint, mais putain, quel enfer cette vie! Allume le feu. Voilà. Mission quotidienne facile. J'avais jamais eu une mission quotidienne dans cette montagne de glace, c'est la première fois. J'ai un petit coup de chaud. Ah, merci Métalis. Il n'y a qu'une personne qui suit, c'est Métalis. Les autres sont là pour se moquer. Ah, le Liebus, merci. Je me dis qu'il dort, il a lancé le stream et puis il a fait salut. Puis après il fait sa vie parce qu'il n'a pas que ça à faire. C'est pas grave. Il doit se dire, ah, puis je mets ça en fond pour faire autre chose. J'espère qu'il a laissé au moins le son, comme ça il entend que j'ai des trucs sur lui. Bon, j'ai récupéré des petits trucs. Ah, mais il dit, mais non, je suis là. Je suis vraiment la mauvaise langue. Hein. En même temps, la fois, tu m'avais balancé à full que sur Final Fantasy X, donc je me venge. T'as pas vu que le gros monstre était mort? En plus, j'en ai tué deux, Lise. Hein. Il y en avait un au début avec son bouclier, et ensuite, il y en avait un deuxième. Ah, mais attends, je voulais récupérer un... une pierre rouge, là. C'était où, déjà? Ici, dans l'arbre. Comment je vais y aller dans l'arbre? Je vais y arriver? Ah, mais il y a des trucs, là, que j'ai pas oublié, en plus. Oh, j'ai bien fait de revenir en arrière, hein. Je fais n'importe quoi. Où est la pierre? Elle est là-haut. Un peu d'escalade ne nous fera pas de mal. Alors, je monte jusqu'ici, c'est très bien. Là, point culminant, hop. On récupère ce truc rouge. Voilà, yes! Parfait! Je me réchauffe près du feu. Genre. Jado a dit, on m'appelle? Mais pourquoi j'ai parlé? Ah, j'ai dit des mecs très musclés, c'est ça? Ouais, mais c'est peut-être pas... Je suis pas sûre que... qu'il était très sympa. C'est quand même mieux musclé et sympa. Y'a rien là-dedans? Y'a rien. Ah, les mecs, ils ont une maison, y'a même pas un truc dedans, quoi. Par contre, là, y'a un truc. Une pomme de pain, hein, bah, j'ai bien fait de faire demi-tour. C'est pour ça. Bon, je vais aller faire mes autres missions. Là-bas, y'a un truc que je peux pas ouvrir parce qu'il faut une clé que j'ai pas. Enfin, j'en avais, mais j'ai tout dépensé. Donc, là-bas, y'a un coffre, mais y'a encore des mecs forts, donc je vais pas y aller. J'espère qu'Ikkyokun n'a pas entendu le mot coffre. Ça ne l'a pas trigger. Je vais aller faire les autres missions. Elles sont ici. Donc il y en a une, deux, c'est celle en violet. Et je crois qu'il y a une troisième dans le coin. Bon, de toute façon, je vais aller là. Ça, je vais choisir une des deux. C'est à équidistance. Oui, tu m'avais honteusement balancé les schématiques. Je n'oublierai jamais. Non, mais c'était rigolo. T'as eu raison. Ça va que je le connaissais, mais... Tu te fais agresser tout le temps, genre. Il y a des thés qui réchauffent dans les machines à pâte? Non, je ça ne me dit rien. Coucou, ma faille 07. Arrête de parler! Putain, je l'ai dit à chaque fois, Noël, elle parle trop. J'aurais peut-être dû aller à une statue pour me soigner gratuit. Bon, c'est pas grave. Les missions en cours, alors, laquelle je prends? Propagation du mal ou route bloquée. Route bloquée. Éliminer tous les monstres. Ah, c'est que ça les missions. Éliminer tous les monstres et les obstacles. Enfin, c'est que ça les missions ce soir. Parce que d'habitude, c'est pas que ça. Mais là... Non, tout à l'heure, j'ai dû donner un insecte à un mec quand même. Ça me tue. J'ai chaud en plus. Des petites fleurs, oui. Je ramasse des fleurs. Toujours, au passage. Alors, qui veut se battre? Ici, ça va. Ici, c'est la région du début du jeu. Donc, les monstres, ils sont tranquilles. Exactement. Ouais, avec une grosse hache, mais c'est pas grave. C'est pas trop mal.
Donc je vous montre les monstres tranquillou. Hop, enchaîne. Ouais, je fais que avec lui. Comme ça, hop. Bam, 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 bam. Un rocher, on enchaîne. Facile. Hop, toi, il est où le dernier? Ah, ils sont deux. Ah non, lui, c'est lui qui l'a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Ah, il est pas mort. Tu me cherches? Hop, et lui. Un petit coup d'eau. Et voilà, tout le monde est mort. Tout le monde est mort? Voilà, t'es content, Goga? Attends, je casse le truc. Voilà. Ah, il est content. Il a fait comme ça. Trop mignon. Alors, Anthony, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Merci d'avoir libéré le passage. Mais derrière. On ne roule pas sur l'or. D'ailleurs, les routes, il n'y a pas un cheval, pas un truc qui roule. Enfin, si, il y a des trucs qui roulent. Non, il n'y a rien qui roule. Donc, c'est que des gens à pied, quoi. Dodota, miamni. Merci beaucoup. Et peut-être ce week-end, alors. Bonne nuit, à bientôt. Tchané. La maladie d'Anna ne montre aucun signe d'amélioration. C'est pourquoi je viens ici cueillir moi-même certaines herbes. J'ai cueilli les herbes médicinales que j'étais venue chercher, mais une bande de je vais jamais y arriver ce mot. Bruto, donc c'est comme brut. Bruto collinus, les brutes de la colline. Bruto collinus. Sorti de nulle part, m'ont attaqué. Vous êtes arrivé à temps pour me sauver. Ok. Prenez ces herbes. Ah. C'est pourri cette récompense. Des herbes. Délice. Ouais. Bon, après, j'ai mes récompenses de base, donc de l'XP et tout, des minéraux, donc ça va. Heureusement, parce que Anthony, radin comme Anthony que je connais dans la vraie vie. Ça. Il en fallait. Tout le monde est à pied. Les charrettes sont exposées sur le côté. Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire en plus. J'allais dire, il y a bien des charrettes, mais elles sont genre comme ça, dans cet état. Donc il y a vraiment eu des problèmes. Après ils vont tout dire oui c'est le dragon, mais en même temps le dragon l'a bon dos quoi. C'est du thé matcha, Mathalie, c'est exactement ça. Donc ouais, je trouve qu'ils exagèrent. Est-ce que j'ai bien mis le truc? Ah c'est pas du tout celle-là que j'ai mis, c'est celle-là. Bon bah c'est pas grave, on va aller là alors. Je vais aller me soigner tiens. Je m'ai dit que... Ah oui, c'était ma private joke. Je me suis dit, il y en a au moins un ici qui va peut-être comprendre de quoi je parle. Il me fait rire comme moi, mais attendez, je me soigne. Ah, je crois que j'ai des... comment ça s'appelle? J'ai des offrandes pour la statue. Donc je vais lui donner. J'en ai pas beaucoup. Hein. Ah, si, j'ai de quoi faire. J'en ai 5. Avoir fait plein de trucs. Hier, en fait, je vous raconte. Je donne les trucs parce que là, je vais gagner un niveau de statue. Très bien. Tout offrir. Vas-y, cadeau. Voilà. Yeah. Oh, niveau d'aventure 33. Allez, c'est la fiesta. Quoi. Bingo dans tous les sens. Donc, j'ai gagné plein de trucs. Je suis bien contente. D'ailleurs, les cadeaux, ils sont où? Ils sont dans ma poche, les cadeaux, déjà? Ouais, ils sont là, c'est bon. 10 primogèmes. Et... des 15 sauts amino machin. Très bien. Donc je vous disais hier, je vous montre la carte. Hier soir, après le pique-nique de l'anniversaire de No Life, je suis allée ici, dans l'antre de Storm Terror, et j'ai tout regardé partout, tout ça là. J'ai pris tous les coffres qu'il y avait. Tu serais fière de moi, Ikukun. J'ai tué tous les monstres et tout. Et j'ai pexé un max, et du coup, j'ai gagné plein de primogèmes, plein d'XP, plein de tout. J'étais bien contente, j'ai ouvert des coffres, tapé des mecs, j'ai tout fait. Enfin. Et pourquoi j'avance ça? Oui, j'ai trouvé 5 amino trucs que je viens de donner à la statue là. Donc j'étais bien contente. Parce que comme c'est l'antre du dragon, il y avait plein de trucs du vent évidemment. C'est en raccord. Et j'ai fait le dragon aussi. J'ai battu le dragon. C'était dur quand même. Donc j'ai refait le boss. Que j'avais déjà fait, mais c'était en mode replay quoi. Des poissons! Oui, j'ai les poissons! Donne les poissons! Oui, des petits poissons dans ma poche. La pêche, c'est archaïque dans ce jeu. Il n'y a pas de canne à pêche, c'est à la main. Voilà, j'ai attrapé des poissons. Il n'y en manquait pas un, là? Non, j'ai tout pris. Tous les poissons pour moi.
Et merci pour les GG. Merci tout le monde. Je mets mon petit GG Kumamon pour moi-même parce qu'il est trop mignon. Voilà, GG Kumamon. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, il faudrait que je donne à une statue mais à mon truc là et je vais gagner plein de points et c'est ce que je viens de faire. Parce que je vais oublier entre temps. Donc c'est bien, enfin un truc que j'ai pu faire de positif dans ce stream. Alors, je vais aller taper des mecs encore. T'as vu, Lise, il est cool mon Kumamon, hein? Oh, le début, c'est sympa aussi. C'est moi-même qui ai fait toutes mes icônes cheloues de Kumamon. Tiens, lui, il traîne au sol, là, L'oiseau, il a rien demandé, le pauvre. Je l'ai explosé. Qu'est-ce que je dois aller où? Faire quoi? Taper des mecs? C'est pas vous, par contre. Attends, là. Là-bas. Cette zone du jeu, très bien. C'est facile. Pas... regarde les petits renards qui mangent des pommes. Oh, je les tue pas. C'est trop mignon. Par contre, les mecs derrière, là, genre lui, la Brutocolinus, je vais vous frapper. Je ne vois rien. C'est bien la caméra dans les buissons. C'est sympa. Hop. Ah, c'est déjà beaucoup plus simple quand c'est des monstres accessibles. Même s'ils ont des niveaux plus élevés que moi, parce que c'est niveau 45, vous voyez, c'est en vert. Ça veut dire que c'est plus élevé. Et ben, il reste très facile par rapport aux autres de tout à l'heure. Ah, il est pas mort. Hop. Combien de mecs? 3 sur 8. Ah, il va y avoir des renforts qui arrivent. Ah, j'ai découvert une astuce hier. Je vous la dis pas. Je l'écrirai dans Gaming Way, il faudra venir lire sur Gaming Way. Tu la pire. Ah, ça c'est du bon titre. Non, j'ai pas de le lac de cidre. C'est faux, c'est de l'eau. Hein, ça, on est tout d'accord pour dire que c'est de l'eau. Les renforts arrivent. Très bien. Oh putain, il est énervé. Il arrive tout énervé. Vas-y, ton bouclier, je le crame déjà. Ça. Ah, les mecs qui me posent à distance là, j'aime pas. Attendez, c'est bon, elle a déjà plus de bouclier. Trop rapide. Maintenant, je veux. Elle. Bouclier. Merde. C'est pas grave. Ah si, j'ai une idée. Non! C'est pas grave. Attends, bah, je l'enchaîne avant qu'il fasse son bouclier, je suis un peu bête. Là, là, il va en faire son bouclier, voilà. Là, je sais pas, je peux pas l'empêcher. Hein. Juste, il faut le taper avant et je. Enfin, c'est pas grave. Là, je perds pas beaucoup de vie. Qu'il était énervé. Oh, relou. Ah, et ma lampe qui s'éteint. À chaque fois que je fais un combat, ma lampe s'éteint. Toujours des conditions de stream compliquées quand même, hein. Allez, bip dans le cul. Et voilà. Blablabla, on a pas compris ce que tu voulais dire, gars. C'était pas clair. Hein. Ah, chou. Alors, qu'est-ce que vous dites? Go pool. Ah oui, et Kokon qui bouge au pool. Ouvrir les coffres, taper des mecs, sauver le monde. C'est exactement ça, le Libus. Non, mais je poule pas avec des primogèmes ce soir, Kokon, dans tous les cas. Hein. C'est dans tous les cas, c'est pas... Primogème. Je me dis qu'il me rate sur rien. Oui, c'est du teasing d'article, exactement. Ah, merci pour les GG. Le monstre qui parle avec la bouche pleine. Exactement. Ah, c'est pas mal ce GG, Gringo. Original. Bon. Alors, si je poule ce soir, ce que je vais peut-être faire, à quelle heure il est? 22h. Oh, à 22h30, peut-être, je vais poule.
Mais pas sur les bannières. C'est quoi ces trucs hein? Ah, c'est du poisson mort. Pourquoi il est mort? Et quand il meurt, il devient un filet de poisson. Genre, arrête de partir! Non, je veux pas l'attraper. C'est fou ça quand même. Et toi, hop. C'est tout à l'heure quand le gars danse avec sa hache, il devait faire des trucs, des combos, ça a dû tuer les poissons. Ouh, je failli mourir noyé. Toi, t'es là, honte encore. Voilà, sur la bannière classique, t'as tout compris. Le poisson pané, c'est. Ouais. C'est ça, avec un peu de blé, et un peu d'œuf, et voilà. Sinon, c'est tout à fait ça. Je vois que Lise, elle like en même temps des trucs sur Instagram. Et on est complètement multitâche ici. Hein. J'ai fait ça déjà ou jamais? Oui, c'est déjà fait. Je suis bête, tiens, signe dessus. Oui, je vais finir mes missions quotidiennes déjà. Il m'en reste qu'une, donc ça va. En plus, je sais où aller, elle est de l'autre côté là-bas. Attendez, est-ce qu'il faut que je me soigne ou pas? Vraiment, ici, c'est tranquille. La montagne, ça passe. Mais alors, les autres, là-bas, les monstres infernaux, c'était trop dur, quoi. Comment je peux faire? Il me reste 4 jours pour faire l'event. Je suis obligée de demander de l'aide en multi. Ah, j'ai une question pour les gens qui jouent beaucoup, là. Ikkyokun, Jado... la Mioni, il allait se coucher. Bon, alors, au moins eux. Et peut-être... peut-être aussi... Nymphaë, tu joues peut-être aussi pas mal de ce que je crois comprendre. Les plats, ma question c'est sur les plats. Donc je vais dans le sac. Les plats par exemple d'attaque là où il y a écrit ne s'appliquent qu'à vos personnages en mode multijoueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que si je joue avec des gens en ligne, ça marche pas. Si je mets à mes persos, à mon équipe, si je les mets, ça sert à rien en fait. Ou comment? Vous savez? Parce que tous les trucs d'attaque, parce que des fois avant des monstres un peu forts, j'en prends. Et si écrit ne s'applique à vos personnages en mode multijoueur, ça veut dire que c'est mort, ça sert à rien en fait. Ça marche que sur tes persos. Mais c'est très mal formulé alors. Parce que... Je trouve ça hyper mal formulé du coup. Parce que mode multijoueur, pour moi, ça veut dire le mode en ligne avec d'autres joueurs. Sinon, si ça veut dire que ça s'applique à toute l'équipe, il faut écrire que ça s'applique à toute l'équipe de vos persos. Enfin, pour moi, c'est pas clair. Hein. Sinon, on débarque, on profite de ta graille. Oui, mais voilà, c'est ça ce que je dis. Ça marche que en multijoueur dans Kikokun. Non, on profite pas de ta graille. Ne s'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur. Non. Ah! Ah! Ok, j'ai compris la phrase. Ne s'applique qu'à vos personnages si jamais vous êtes dans mode multijoueur. Ok! J'avais cru que c'était deux circonstances qu'il fallait réunir. Oui, mais c'était mal formé, donc ça, c'est la traduction française. Genre, elle est très bien d'habitude, mais. Là, je vais râler. Elle est mal faite. Elle est pas mal faite, c'est pas vrai, parce qu'elle est vraiment de qualité, cette traduction. Mais, voilà. Là, j'ai eu un petit doute sur le ne s'applique qu'en multijoueur. Ne s'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur. Oui, mais ça paraissait évident en même temps. C'est un truc que tu prends pour ton équipe perso, quoi, pas pour les autres. Donc, en fait, ouais, mais même quand je prends ça, j'ai pas l'impression d'être... Parce que même pour les monstres super forts, ça marchera pas. Ce sera pas un plat qui va me sauver. Bien que j'ai fait le maxi plat, je vous montre quand même le super plat de la mort là. Ce plat là, la marmite de Infernal. 5 étoiles. L'attrape adepte délicieux. Et ben, déjà il demande 250 000 ingrédients dedans. Et j'en ai fait un. Parce que je me suis dit, oh, bah, genre, je le fais une fois. Bah putain, c'était pas évident à faire hein. Je le mangerai jamais. Si vous croyez que je vais manger cette marmite, jamais je la mangerai. Bon alors, cette mission, ben elle est où en fait? Ah non, ça va. Ah oui, il y a juste un trou là, il faut pas tomber au milieu. Là, il y a les fameuses charrettes du bord du chemin. Ah là, il y a des mecs qui veulent se faire taper. Mais par contre, il pleut. Alors, il pleut, mais il n'y a pas de mecs avec des boucliers, donc ça devrait le faire. Quand il pleut, j'essaie de faire brûler le bouclier avec du feu. Et c'est logique, la pluie arrête le feu et du coup le bouclier du gars ne brûle jamais et c'est un peu plus relou du coup pour le tuer. Après il y a un magicien infernal, bon ça c'est pas d'habitude. Ils sont très très chiants mais on a gelé direct. Par contre c'est vrai que le feu ça aurait été utile pour la glace. Ah merde. Bah il est parti. Ah.
En fait, je sais tuer lui en premier parce qu'il est relou, mais je dois tuer les autres. Mais allez, arrêtez de m'esquiver là. Je vais vous battre. Ça m'énerve. Oh, que ça me saoule. Infernal. Après, comme il pleut en plus, le truc de la glace, c'est vraiment mauvais. J'aurais dû changer l'heure pour qu'il fasse beau. En plus, c'est 2 monstres sur 5 du tuer, pas gagné. Pas grave, d'abord, oui, lui, voilà, maintenant je t'enchaîne, tu vas rien comprendre. T'as plus ta petite bulle de protection là. Voilà, j'enchaîne pour seulement pas qu'il la reconstruise. Interdit. Voilà. Ça va, donne, j'en ai besoin en plus. Toi là, qu'est-ce que tu veux? Et l'autre qui se met dans les couverts là pour me tirer des flèches à distance. Vraiment un fennec. T'es où? Ah, viens là. Je tape avec lui même. Arrête de reculer. Voilà, fais-moi son malin. Hein. Parfait, j'ai fini mes missions du jour. Ah, ma lampe s'est éteinte. En fait, il fait vraiment trop chaud. Je sais pas comment je vais faire pour faire des streams l'été. Il fait tellement trop chaud dans mon appart que... ça se fait surchauffer. Alors c'est pas la lampe qui chauffe, c'est la prise qui chauffe et du coup ça s'éteint. Donc c'est quand même mauvais. C'est mauvais. Alors, j'ai récupéré tout là où il y avait encore des trucs par terre. Non, c'est bon. Hein. Aïe, j'ai fini toutes mes missions. On va regarder le coucher de soleil. Oh, c'est joli. Regardez comme c'est beau. C'est bien, ma lampe s'est éteinte, il y a une lumière rose, du coup, le coucher de soleil, on dirait que ça se reflète sur moi. Tout est logique. Tiens, d'ailleurs, je peux mettre en mode disco, là, comme je disais. Comment ça marche? Il y a un mode qui clignote, ça me ferait rire, quand même. Pour faire les tirages, après. Voilà, c'est infernal. Vous voyez pas ce que ça donne, mais c'est horrible. Là, c'est un mode qui change de couleur. Voilà, regarde, coucher de soleil... ma lumière change de couleur. Oui, Bétalis, mais j'ai l'habitude. C'est vrai que c'est pas terrible, mais bon. Alors, si mon appart prend feu en direct, ça ferait une bonne audience, peut-être. Non, mais Frick, là... Je sais pas trop comment faire. Jado qui parle sur le chat. Non, mais je rêve. Jado passe à la télé. Alors, je vais chercher mes récompenses de quête quotidienne. On a la guilde. Et puis on va faire un tirage de. Des personnages quand même. Ah, c'était laborieux ce soir, je suis blasée là. Vraiment les combats là. Bon, les combats faciles ça va, mais les combats durs. Alors, plein de bots chelous qui sont sur le stream. Hein. Je vois les noms bizarres. Prends des screenshots. Alors carbone 14, là je sais que c'est un bot. Je le sais. Un jour il faudra le bannir. J'essaie de dire à mes modérateurs de bannir, mais moi je sais pas des vrais modérateurs, ils savent quoi faire. Bon, j'ai arrêté cette lumière qui clignote quand même. Voilà, on revient en blanc. J'ai dit que j'allais faire, oui. Ah oui, j'ai une recette hier, je vais voir si je peux la faire. J'ai une recette de pizza aux champignons. Alors j'aime pas les champignons dans la vraie vie, mais. Elle est où? Il n'y a rien qui ressemble à une pizza aux champignons là-dessus. Soupe de porc au pousse de bambou. Paix universelle. C'est bien comme nom de plat ça. Je te prépare une petite paix universelle. Ah d'accord. Ça c'est la fameuse marmite. Rien des ingrédients qu'il faut. Du jambon, du crabe, des crevettes et des champignons. Pas bon. Ça soigne de ouf. C'est vachement bien. Mais ils demandent des pommes de pin, de la confiture et des patates. Les mecs, ils savent pas cuisiner, ça va être horrible.
Elle est où ma recette de pizza? C'est quoi ce bordel? P Universal Ikukun, bravo la blague. C'est une blague de collégien, même pas. Non, non, je vais dire ça, c'est une pizza. Non, en fait, il n'y a pas de pizza. J'ai rêvé ou quoi? Pas de pizza. No pizza. Est-ce que j'ai besoin de faire de la farine ou des trucs comme ça? Du sucre? Ouais, un peu de sucre. Voilà, on va faire 10 sucres. Ça, non. La confiture. Ouais, un peu de confiture. La saucisse? Non, pas besoin. Le liébus, j'allais la faire. Bah oui, c'est vrai que c'est le genre d'humour d'ici. Soupe de l'Iskala aux fruits de mer. Ça, c'est sophistiqué comme plat aussi. Il y avait un plat qui était cool hier que j'avais fait. C'était quoi? Bon, je sais plus. Je me suis dit, il faudrait que j'en refasse. Je sais plus ce que c'est. En plus, quand on a des recettes, elles s'affichent là déjà, non? Ma pizza aux champignons, elle est où? Elle est pas là. Hein. Y a pas. Ah non, elle est censée être là. Ça, c'est quoi aussi? Solvant de rêve. Un objet capable de modifier un matériau d'amélioration de personnage. Ça, à mon avis, c'est pour faire des trucs chauds. Alors, c'est pas là. Mais non, mais j'ai pas de. De recettes de pizza, j'ai rêvé alors. Je suis triste, moi, je veux faire la pizza. Nul. Ah, d'ailleurs, je suis niveau 33 là. Il n'y a pas de nouvelle recette pour moi. Je vais prendre ma commande à emporter. Vous avez vu la taille des steaks devant? Je vais vous en montrer parce que c'est impressionnant. Je vais prendre ça. Parce que j'ai jamais assez de volaille pour en préparer donc. Est-ce qu'il y a des recettes? Non, elles sont pas bonnes. La taille du steak là. Ça me fait trop rire. C'est un steak de dinosaure. Alors, récompense de. Ah oui, j'ai récompense de niveau d'aventure aussi. Donc les récompenses de mission quotidienne. Donne. Arigatou gozaimasu. Yeah, un trigogème. Donc ça, donne. Et maintenant, récupérer les récompenses au niveau d'aventure. Je suis passée niveau 33, je vous rappelle. Oh, j'ai gagné un truc, une pierre de. Justement, pour le tirage, ça tombe bien ça. Pierre de la destinée, je crois. Ouais, pierre de la destinée. Voilà, parfait. On va faire des tirages. Et donc, ma recette de pizza aux champignons. Ou alors peut-être qu'il faut un four pour la faire. Parce qu'on fait pas cuire une pizza dans une marmite. Bah non, mais ouais, pas de four dans ce. Pas de four, d'accord. C'est trop bizarre. Alors, je vais aller où pour faire mes tirages? Les pigeons! J'aime pas les pigeons! On va aller là-bas à l'arbre Mojo. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Onibo! Oniblo qui m'offre son abonnement Prime! Il avait promis, il l'a fait! C'est le seul qui tient ses promesses ici. Non, c'est. Vous croyez tous que je vous fais des tacles, mais pas du tout. Non, en vrai, mes autres potes, ils m'ont dit. Oh, on va plutôt donner à Gotoz. J'étais là, mais t'as payé Gotoz, il a 3 milliards d'abonnés, c'est pas sympa. Donc, tout le monde est honnête finalement. Mais au niveau. Ah, j'allais dire, tu ne dis pas bonjour, mais oui, t'avais promis. Coucou. Il faut. Tu t'abonnes avant même de dire bonjour, c'est de la folie. Et merci de venir voir mon stream, en tout cas. Ça me fait très plaisir, je sais pas, t'as jamais vu en fait. Peut-être que je fais des horaires qui vont pas aussi. 19h, 19h les gens ils sont encore en train de travailler. Hein. Attendez, j'ai une mission qui s'est déclenchée là. Elle est où? Là-bas. Faut que j'aille vite. Parler à Margaret, non c'est bon, elle a pas besoin de rapidité. C'est pas quelqu'un qui est en danger, donc ça devrait aller. Un abonnement Prime, yeah! C'est trop cool. Tu lis Twitter, ça veut dire quoi? Oui, mais j'annonce toujours. J'annonce toujours, je vais faire des streams sur Twitter, mais en général, comme c'est des horaires trop tôt, les gens n'ont pas le temps.
Je suis là autour, bien sûr. Oui, parce que Oniblo, ici présent, va sûrement lancer sa chaîne Twitch incessamment sous peu. Alors, je ne sais pas sur quel jeu, du coup, parce que le setting a l'air en cours, on va dire en cours. Mais donc, j'espère que vous allez tous aller le suivre quand il va se lancer. Et après, j'enverrai des raids et j'irai, allez, retouche Oniblo, yeah! Des carottes, oui, des carottes. Deux carottes, pas de soucis. Facile. Donc du coup voilà. Nouvelle personne à suivre. Qui va faire des jeux. On ne sait pas lesquels. Et bien sûr, je te suivrai en retour. Enfin, moi j'ai pas d'abonnement Prime, mais bon. Amazon Prime. Je devrais faire que je dépense du vrai argent quoi pour suivre les gens, c'est sûr. T'as payé pour les joueurs, insolent? Comment ça? Merde, c'est... Ah non, j'allais dire, j'étais un peu loin, mais non, ça va. Hop là, il est mort. Lui, c'est le pauvre, c'est juste qu'il était sur le chemin, hein, le blob là. Ah, mais il y a Raid aussi, il y a plein de gens en fait. T'as fait un test déjà, ben voilà, c'est pas mal. Les tests de Twitch sont toujours hein, les mieux. S'il fait pas du waifu impact, ça devrait aller. N'importe quoi. Lodos, ça fait! Bah, mon vieux. Ah, sur Steam! Lodos. Ah, ouais, mais attends, mais c'est un vieux jeu ou c'est un Lodos récent? Mais oui, préviens-nous donc. Enfin, préviens-moi en tout cas la prochaine fois que tu stream, je viendrai voir. Et encourager cette nouvelle chaîne. Je paierai en bière. C'est vrai que c'est. Non, c'est plus cher qu'un sub. Non, 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 pas de bière. C'est une très mauvaise idée. Ou alors une bière. Une bière par sortie. Une bière par sortie, c'est pas mal. Sinon, ça revient vite cher. Avec certaines personnes. Ou alors, faut faire comme ils faisaient les gens. Tu promets des bières, puis après, c'est le confinement. Tu fais, oh, bah, dommage. Je te donnerai tes bières plus tard. Dans plusieurs années. Bon, j'ai récolté des trucs là qui traînaient. Je vais me soigner la statue. La statue soigne tous mes persos. C'est pratique, c'est vraiment pratique et gratuit. Je vais monter là-dessus parce que je fais n'importe quoi. Voilà, là c'est moi, je suis une statue aussi. Salut, je suis la statue. Je t'ai offert un galopin donc ouais, ça c'est. Non, je suis pas comme ça. Les galopins en plus, les barres ils en font plus. Parce qu'ils veulent le profit. Non, mais on n'a pas dit une pinte de quoi, Raid, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, on a dit pierre, mince. On aurait dû dire pinte, c'était plus vague. Alors, Ikyokun. Ikyokun, ça y est, il est en mode poule, donc faut que je regarde. Enfin, engueuler si je fais pas de poule. On va lancer des poules. Il est 22h30, comme j'avais promis, on lance des poules. On lance pas des poules, les animaux, hein, ne faites pas ça. On va lancer des tirages. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai des courriers, j'espère que c'est des cadeaux. Les melons de Mitsu, ça m'y met tombé. Je sais, mais j'ai pas pu le faire parce que c'était trop dur. C'est pas grave, je prends les thunes. Via la boutique, hein, c'est ça, Kyokun. Avec les astrons. Mais je crois que j'ai pas assez d'astrons libres en fait. Ah, ça, c'est le truc que j'ai acheté. Ah, c'est 5,49. Je dis 5,89 à chaque fois, mais c'est moins cher. Ah non, je dis 4,89. Bon, c'est pas grave. J'ai acheté un truc à 5,49. Mais j'en ai pas assez des astrions, en tout cas j'en ai pas assez. Les astrions, oui, les astrions, j'en ai plein. Ah oui, mais c'est cher. Il faut que j'achète ça de toute façon, je vais pas acheter l'autre. J'en ai que 115, j'en ai pas assez. Hein. Je voulais déjà des poules, Lise, ouais, quand j'ai des poules. Non, mais j'étais des poules, c'est dans Zelda on fait ça, mais pas dans ce jeu. Voilà, voilà, définitivement trop Zelda. Raid et Bo, on a le même humour. Mais oui, mais du coup, je vais prendre ça. Pierre de la fatalité. Mais je vais pouvoir en prendre que. Que une seule, hein. C'est naze. Mais les astrions libres, là, je les gagne en faisant des tirages, justement. Je sais plus. Donc je vais en avoir d'autres, là, si je fais des tirages, ils vont m'en donner. Et après, je pourrais racheter d'autres pierres. C'est sans fin, l'histoire, en fait. Ah, tu t'en veux déjà au Niblo? Oh, Yodarge, qu'est-ce qui se passe? Un abonnement Prime! Merci, Yodarge 971. C'est très gentil de ta part. Ça y est, 22h30, les gens s'abonnent.
Apparemment, c'est l'horaire, je note pour la prochaine fois. J'ai fait la BA promise. Ouais, en fait, je harcèle trop les gens. Tu t'abonnes avec ton truc Prime, hein? Tu promets. Promets maintenant que t'es ivre. Oui, d'accord. Et après, ils sont là, merde. Mais merci, Oniblo. À bientôt. Je te dis, je viendrai voir ta chaîne. Ouais, voilà, vous lancez des abonnements Prime pour me porter chance. Exactement ça, merci. Ride! Oh non, Ride, ça y est, il. Merci, Ride, qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as offert un abonnement à ma communauté, c'est la première fois que je vois ça, je crois. Je connaissais pas cette. J'ai dû voir ça sur les chaînes des autres gens, mais je suis même pas sûre. Et donc, c'est qui? C'est Jado qui a eu le cadeau, c'est ça? C'est Jado? Bah, merci pour lui, et merci pour ce beau cadeau, Ride. Kaya en boutique, oui, Jado, moi aussi je veux Kaya. Ah, en boutique, non, c'est autre chose. Faudra streamer. Oui, schématique, ce que je disais en début de stream, c'est comme je m'adapte au couvre-feu, je pense que dans une semaine, je commence à 23h, quoi. Ah, ça y est, Jado, il a une petite étoile et tout, il est abonné à ma chaîne. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, bah, du coup, non, je peux rien faire en fait. Bon, c'est pas grave, on va lancer des. Ça, j'en ai pas assez non plus. En fait, j'ai rien assez. Et je sais même plus comment on les gagne, ces trucs. Ni les Astri, ni les Astrions. Comment on gagne ça? Mais j'ai des cristaux aussi, je crois, non? J'ai pas des cristaux? Pas des cristaux. J'ai 300 cristaux là. Ça sert à quoi ces cristaux, par exemple? Je peux faire quoi avec? Les cristaux chelous là. Non, avec les cristaux. Non, ça, c'est truc que je paye. Et les cristaux, je sais pas où on les échange non plus. Si, là, en fait. Ah, c'est ça que je peux prendre. Je peux prendre un pack de ravitaillement du débutant. C'est naze. Est-ce que je suis débutante? Je ne crois pas. Je ne crois pas, monsieur le jeu. Oui, donc c'est pas terrible, en fait. Nos problèmes. Ride, c'est le sugar daddy de la chaîne, attention. Alors, qu'est-ce que tu dis, Lise? Voilà, après le couvre-feu. Bah oui, c'est ça, je m'adapte. Mais si je stream à 23h, ça va pas le faire la prochaine fois. Hein. Il faut poule. Tu les transformes en primogèmes. Ah bon? Prends pas ce caca. Ah, le pack de ravitaillement? Non, je prends pas. Kikuko, il est déjà fou. C'est mon conseiller, on dirait mon conseiller bancaire. Non, tu mets tes sous dans ça. Tu mets pas tes sous dans ça, c'est de la merde. Tu les mets là. Oh là là. Étonnement débutante, Ride, c'est pas gentil ça, dis donc. 300 primogèmes. Ah, ça, ah, on peut les échanger en primogèmes? Mais bien sûr, je veux faire ça alors. Je gardais dit nope. C'est une expression. C'est juste que, voilà, au niveau des abonnements, c'est le cas. Donc, je vais sur les bannières. Je me suis mise sur un petit spot, vous avez vu, pour faire des tirages. Je sais pas pourquoi. Je me dis, si je suis un peu en hauteur, ça marche mieux. Parce que, comme les trucs, ça tombe du ciel, les vœux. Si je suis un peu plus haute, les meilleurs vœux vont arriver, bien sûr. Donc là, j'ai 4133 primogèmes économisés à la sueur de mon front. Donc, je fais pas cette bannière parce que j'économise pour. Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars dans longtemps. Kazuha, je crois. Non, c'est pas Kazuha. Bon, pas tout de suite. Gringo a obtenu à boire. Gringo est arrivé chez lui. Mais c'est vrai que personne n'a demandé à boire ni rien aujourd'hui. Hein. Pour pouvoir avoir des skins. Ah ouais, c'est pour les skins, ça marche aussi les. Kazuha, oui, c'est ce que je voulais dire. Pour les skins, ça marche aussi les cristaux? Je savais pas ça. Merci Gringo, c'est pour que je ne me déshydrate pas, c'est très gentil. Donc les armes non plus. Donc en fait je vais faire ça, mais j'ai que 29 pierres, mais c'est pas mal déjà 29 pierres. Alors je. Est-ce que j'ai déjà fait un tirage sur cette bannière? Je suis pas sûre. Hein. Historique. Je vais regarder. Ah oui, vous voyez pas vous. Pardon. Mais je vais pas faire ça alors. Je regarde juste vite fait si j'ai déjà fait un tirage. Ça me connecte à Internet. Il y a écrit vide. Donc vide, ça veut dire rien. Non, oui, pas d'ASMR comme Scrunch Crunch aujourd'hui. Bah, ça pourrait, hein, j'ai un truc à manger sur la table, si jamais. Complètement hors sujet, mais on en parle de JK qui prétend avoir inventé le signe vulcain de Laivong. C'est vrai, il a dit qu'il a inventé ce signe-là? N'importe quoi. J'ai pas suivi cette nouvelle polémique Raid. Parce que les polémiques BTS, bon, il y en a une toutes les 5 minutes. J'irai voir si c'est vrai. Nous allons vérifier. S'il a vraiment dit ça, ou si c'est pas les fans qui disent n'importe quoi. Mais dans ce cas, le pauvre, il va falloir un peu d'éducation, JK. Je te jure sur ma vie, on va faire direct à 15 ans.
Je jure sur ma vie qu'il a dit ça. T'as vu la vidéo? Oh, mais le pauvre, on lui a fait croire qu'il avait inventé l'eau chaude alors qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est triste quand même. Non, mais normalement, il est assez malin, JK, quand même. Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Est-ce que. Je le hais, me calme-toi, il est mignon. On peut pas le haïr. Ikkyokun et Jado là, est-ce que je fais les vœux un par un ou est-ce que je peux lancer déjà 10 vœux? De toute façon, j'ai fait aucun vœu sur cette bannière donc j'en lance 10. Il y a écrit obtention d'un objet 4 étoiles ou plus tous les 10 vœux. Donc j'en balance 10 là. J'en ai 29 à faire. Je peux faire genre 10, 10 et puis après un par un. Je vois pas d'autre façon de faire. Sauf si j'achète une dernière pierre et que j'en ai 30 et du coup je ferai à chaque fois 10, mais bon. On va voir du poule. Il est tout foufou, Kikoun. Mais Kikoun, il aime bien les coffres, les poules. Bon, allez, j'en lance 10. 10 vœux sur cette bannière. Regardez, les gens qui connaissent pas le jeu, parce que je parle de tous les gens qui connaissent. On peut gagner ces trois personnages-là, des armes et d'autres personnages plus cool, parce que ces trois-là m'intéressent moyen. Mais bon, c'est la bannière permanente, donc on y va. À mon avis, on peut gagner plein de trucs dessus. S'il vous plaît, un mec. Je veux gagner des mecs. Ou une arme. J'ai pas d'arme 5 encore, j'en ai une arme. 10 puis 1 puis 1. 10 puis 10. 10 puis 10 puis 1 puis 1. Ouais, enfin ça avec ouais. Ma lumière s'éteint. Je lance des vœux, ça y est. Alors, ça j'en ai déjà 1000, je crois. Hein. Ah, c'est là où je gagne des actions libres, donc je pourrais acheter des pierres après. En fait, ça te force à faire des tirages régulièrement pour pouvoir acheter les trucs en boutique quand même. C'est vraiment un jeu de chinois. Hein. Je suis désolée, mais là c'est vraiment la Chine. C'est scandaleux. Alors. Une autre épée, oh, j'ai eu déjà 1000 fois ces épées là. Mais oui, chez Matty Cousin, toujours plus de consommation. Je suis sûre que t'allais réagir à cette phrase, toi. Dès que je dis un truc genre, oh, c'est exagéré, hein. Une épée! Putain, mais c'est toutes les genres, toujours les mêmes épées. C'est vraiment, c'est scandaleux. Un arc. J'ai déjà cet arc aussi. Lance-pierre en plus, il s'appelle. Ils savent pas donner les bons noms des armes. Épée céleste. Jolie l'épée céleste, mais 3 étoiles, c'est naze. Épée froide, non, lame froide. Du cure-dent en pagaille, Coco. Putain, mais c'est exactement ça. C'est nul! Ça aussi, j'ai déjà. Tous ces trucs que j'ai déjà. Le premier tirage que j'ai fait, j'avais aucune arme, donc j'étais. Chaque fois qu'il y avait une arme qui apparaissait, j'étais là, les étoiles dans les yeux, genre, waouh, un orbe jadien! Maintenant, l'orbe de jadien, les jades là, on s'en fout de la jade. Ah, messager de l'aube. Une épée du gel! Ah, ça, j'ai pas. Épée de Favonius, ça c'est mon truc 4 étoiles. J'ai gagné des astres libres carrément. Ah, elle est mini, l'épée de Favonius. Enfin, j'ai pas, je crois pas, si, ou alors c'est l'épée de base, non? Remboursons nos invitations, le Libus. J'ai un petit wizard. Bon, une épée cool. 4 étoiles, c'est pas mal, je suis contente. Un lance-pierre. Mais non, même les ombres, même avec les ombres, je reconnais les armes, je suis vraiment trop dans le jeu. Bon, une épée pas mal. Et des cure-dents. Mais regardez, c'est toutes les mêmes épées. C'est vraiment, c'est scandaleux. Hein. Bon, j'ai pas dépensé de sous. Mais je trouve que c'est quand même scandaleux. Ils devraient nous donner des trucs vachement mieux. Allez. Ça, c'est bien. Ça, je dis oui. 135 euros sont les bouillies. D'ailleurs, je pourrais acheter des pierres avec. Donc, ça, ok. Bon, je relance un tirage de 10 vœux. On est parti. Non, attendez. Je regarde un peu le paysage pour me porter chance. Regarde, voilà que t'es là. Donne-moi des bons vœux, s'il te plaît. Voilà, et maintenant je relance. Je fais des trucs bizarres, mais bon. Je relance, j'ai dit. Hop, on y va, 10 vœux, bim. Kenkidama de la chance, ouais, mais. Merci, Kyus. Mais le chanceux ici, c'est. C'est Ikkyokun, c'est pas moi. Hein. Ça, j'ai déjà ça. L'épée de la raison. C'est quand tu veux faire rentrer la raison dans la tête des gens en les frappant. Que la ligne suisse saute avec toi, right. Le pire gars. Let's go, Siro. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. L'arc du corbeau, c'est tout pourri. Un truc jadien, mais non. Non, non. Ça y est, vous êtes tous morts de rire avec la ligne 6, là. Vous n'êtes pas sympa. Hein. Non, non, jadien, encore. Non. Après, les armes, pour ceux qui ne savent pas, les armes... On en a plein, mais on les reforge dans les armes qu'on a nous, et ça augmente nos armes de niveau. Donc tous ces trucs-là, ça va faire de la stuff pour augmenter mes épées à moi. Mais voyez, ouais, je suis quand même assez nul. Non, ça c'est pourri, ça aussi. C'est pourri!
au sein du durian. Mais arrêtez de prier des trucs pourris. La ligne 6 et le durian, elle va pas me donner des bons trucs. Hein. Donne à cette femme la puissance du poule. Ombre féreuse. Non, avec le nom ombre féreuse, ça sent le truc de merde, ça. On dit que c'est la chaîne d'une brocante. Ombre féreuse x 2. Non, des persos, là. Des persos, j'aurais jamais de mec dans mon équipe. Putain, j'ai deux gars et il y en a un, je joue pas souvent avec, en plus. Ah! Panda. Si, c'est un panda roux. Le panda roux qui souffle du feu et du piment. Du piment. Mon cri est un peu suraigu, peut-être, le Libus, non. Il fait oui, trop bien. Ah oui, mais c'est pas un mec comme du Schematic Wizard. Mais c'est pas grave, elle est choupinette. C'est du chinoise. GG. La puissance du piment. Mais oui, elle est trop mimi, Lise, t'as vu. Et elle mange des piments. Donnez-moi des mecs. Combien de champignons du rien. T'es vraiment vilain, Yoko. C'est pas ça qui va faire marcher le truc. Hein. Et ah oui, non, si, le panda, je l'ai en peluche et je peux le lancer. Oui. Parce que j'ai déjà testé ce perso quand même. J'ai pu jouer avec. Parce qu'elle, c'est une cuisinière. Elle fait de la cuisine au piment. Et c'est elle qui m'a conduit jusqu'en Chine d'ailleurs. Elle a dit aide-moi à trouver des ingrédients. Il me faudrait des trucs de bambou, un peu de lotus et du piment. Je fais oh, c'est bizarre cette région. Ça ressemble pas à l'Allemagne. Et bim, c'était la Chine. Donc c'était cool. Non, Libus, c'est pas un titre. Ah, je suis contente, j'ai un perso. On s'en fout des épées pourries, là. Parce que les autres trucs, là, la suite des 17. Une ombre fumeuse, une ombre fumeuse, pas féreuse, fumeuse. Épée fumeuse de la destinée. Nul. Ouais, mon perso. Mais j'aurais préféré un mec. Mais il n'y a pas assez de mecs dans ce jeu. Hein. C'est scandaleux. Je vais écrire à Mio, là, à Mio, et je vais leur dire que ça ne va pas du tout, ça manque de mecs. Excellente épée pour offrir le courrier ou se gratter le dos. Bon, voilà, on a fait. J'ai gagné plein d'astrons libres, c'est super cool. Il me reste que 9 pierres. Je fais les vœux un par un cette fois. Et hier, j'ai fait un vœu, un seul vœu sur la bannière, pas celle-là, mais sur la bannière celle-là, là. J'ai fait un vœu et j'ai eu un perso. Un vœu, un perso, c'était rentable. Mais là, je vais faire un vœu, une épée pourrie. Un vœu, une épée pourrie. Allez, on y va, un vœu. Féritineuse, oui, c'est exactement ça. Ouais, des trucs jadiens, génial, j'en avais pas déjà 12. Bon, je bois une gorgée. Un orbe jadien. J'ai oublié de regarder les étoiles avant, c'est pour ça, ça m'a pas porté chance là. Pas grave, pour les grands parents, on a dit. Ça poule que de la merde, une ombre féreuse encore. Combien d'épées de merde je vais avoir ce soir? Beaucoup quand même. Hein. Le Libus, il me doit être. Attention. Oh, un livre! J'ai déjà aussi un guide de magie, c'est pourri. Pas de magicien dans mon jeu, c'est interdit. Allez, encore un petit peu. Le son doit être méga fort chez vous quand je fais un vœu, non? Parce que là, c'est une météorite. Je me dis, oh là là, ça doit péter les oreilles, mais bon. Donc j'essaie de pas parler pendant le... Une épée sanglante est nulle. Nulle. Allez, les persos. Là, sont à 9 tirages. 9 tirages. Ce serait pas de chance que j'ai pas un truc, quand même. Un truc 4 étoiles. Parce qu'il en faut 10 pour être sûr d'avoir un truc. Et si au bout de 9, il me donne rien, c'est quand même bâtard. Est-ce que ça serait vraiment un jeu qui te force à... Oui, c'est un jeu qui te force à dépenser. Mais bon, quand même, c'est abusé. Non, mais vous êtes personne irrespectueux, là. Allez, un mec, là. C'est bien, parce que vous êtes tous à fond pour les mecs, du coup. Juste pour me faire plaisir. Allez, un mec. Donnez-lui un mec. Lâchez du beau gosse, putain. C'est pas moi qui le dis, c'est le chat. Un putain d'inspire. Mais qu'est-ce que je veux faire avec un putain d'inspire? Et ma lumière s'éteint. Comme ça, vous croyez que je suis rouge, mais je ne suis pas rouge, c'est la lumière. Ça y est. Ah non, il me reste 3. J'allais dire, j'ai plus de pierres. Allez, plus que 3, là. Lâcher du beau gosse. Un livre. Putain, on s'en fout, on n'est pas des littéraires ici. En fait, si, mais bon. On n'est pas des intellectuels, nous, on veut des mecs. C'est horrible dit comme ça, c'est horrible. C'est, le jeu n'est pas... C'est pas ça, mais je vous rassure. Je détourne le truc. Allez, là, je sens bien celui-là. Celui-là, je sens bien. Oui, lance pour un mec que j'ai pas. Lance de Favonius, j'ai que les trucs Favonius.
Yay, une lance! Mais qui utilise des lances comme personnage? Parce que. Qu'est-ce qu'il y a, Raï? T'aimes pas ma lance? Ce stream par Non, mais franchement, j'ai pas de perso qui utilise des lances. Ah si! Si, si! La meuf que je viens d'avoir là, Qing, machin, Qing. Qing. J'ai oublié son nom. Elle utilise une lance, non? Parce que sinon, j'ai une arme que qui pour l'instant ne me sert pas. Voilà, Qing, Changbing! Yeah! Donc du coup, c'est bon. J'ai le perso et l'arme qui va avec. C'est un peu con d'ailleurs, mais bon. Sauf que cette lance, elle est pas du tout piment et machin et la Chine, elle est la glace et elle est pas du tout designée pour aller avec mon perso, ça va pas du tout rembourser. Moi j'ai mis une lance rouge avec des flammes quoi. Bon ben je fais quand même ma dernière pierre. Hein. Allez, dernière pierre. Pour avoir au moins les astrions. Donne. Voilà, c'est fini, j'ai plus de trucs. Plus de trucs avec. Voilà, allez, super. Oh, une lame froide pour finir. Heureusement que j'ai pas. Que j'ai eu quand même dans mes 9, j'ai eu la chance des 10 tirages. Sinon, j'aurais été blasée. Genre, ah bah, c'était le 10e tirage, tu l'as dans le cul. Voilà, on a fait les tirages! Oh, c'était cool, hein! Là, il va m'afficher une nouvelle lance. Oh, merci. Une nouvelle épée et un nouveau perso. Go boutique. Et j'ai mon coach. J'ai mon coach qui me dit quoi faire là, Ikokun, il a fond. Utilise tout de suite les instruments libres, sinon ils vont disparaître. Ici alors. J'achète les pierres de la fatalité. Et je peux acheter les 4. Et après, il y en a plus. Est-ce que vous voulez? Oui. Et là, je peux en acheter qu'une de pierre de destinée. Oui. La recharge à 109, 109 balles, Ikokun, non. Bien, bonne nuit, Gringo! Merci d'être venu et d'avoir. Ne fais plus le stream en voiture, c'est pas bien. Mais merci pour le reste de la soirée. Bonne chance pour la suite. Non, mais t'inquiète, j'ai fini là. Là, je fais juste des emplettes. D'ailleurs, je peux acheter ça aussi. Avec 5, je peux acheter une pierre de la fatalité. Ah, c'est ça que tu veux acheter? C'est ce Kaeya là que tu veux acheter, Jado. Mais 34, c'est énorme. J'ai 6 pierres, je suis là. Oh, 6 pierres. 34 pierres, c'est beaucoup. Non, je vais acheter ça. Pierre de la fatalité. Oui, oui. Voilà, maintenant il me reste plus qu'un. J'ai tout dépensé. C'est pratique. Du coup, je vais. Ah, je vais essayer mon nouveau perso. Kaya beau gosse, enfin, je suis d'accord avec toi. Mais je compte le gagner à la régulière dans une bannière. Oh, c'est mon nouveau perso, il Par contre, elle a encore une voix comme ça, quoi. Les voix des meufs. Regardez! J'avais déjà joué avec en fait, parce qu'on l'a dans une mission. Elle a un gros lot qui pend des fesses. C'est mignon, mais. Et elle a un sac Pandarou. Un mini sac, trop mimi. Dis-toi que sur la bannière classique, ça fait la moitié de la pitié. Ouais, mais après, c'est pour gagner quoi? Un perso 5 étoiles, c'est ça? Aléatoire en fait, quand sur la bannière classique. C'est un perso 5 étoiles, on sait pas lequel. Plus elles sont jeunes, moins il y a de fringues. Ouais, c'est vrai, Raid, ça c'est assez typique. Hein. Je joue depuis le Day One et je n'ai pas de constellation dessus. Oui, mais ça veut dire que t'as quand même le perso. Hein. Enfin, je comprends que je suis un peu dévastée, tu sais. Oh, regardez! Oh, soupiné! Oh, j'ai pas eu le temps de voir le panda de face. Un perso ou une arme 5 étoiles. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, que si j'avais une arme, je serais peut-être un peu triste. Mais... Alors, bagarre. Je regarde un petit peu comment elle joue. Ah oui, regardez. Hop, la peluche. Oh, il crache du feu. Il mange le piment. Il crache du feu. C'est trop mignon. Et t'as amené le feu partout, mais. C'est mignon, mais c'est dangereux quand même. Bon, ben voilà, il y a le feu maintenant. C'est pas moi. Je veux partir discretos. C'est pas moi. Non, mais je suis contente. Elle est cool quand même. Mais elle utilise des lances, elle? Ah oui, c'est une lance. Oh, en même temps, sa lance, elle est pas ouf, hein. Donc je vais bien la changer par l'autre lance. Ouais, complètement un pyromane. J'ai trop de personnages, regarde tous ces persos. Et j'ai elle, et j'ai elle. J'ai la. Ça, c'est une nonne. Elle a un petit ivre autour de la taille parce que c'est sérieux. J'ai la guerrière qui fait du feu. La meuf électrique qui fait du thé avec ses bas. Kaya, très sympa. Noël, que tout le monde a. Et donc, elle est là. Et donc ça,
je lui mets ma nouvelle lance qui est... C'est laquelle, du coup? C'est ça? Ouais, ça, c'est le truc à 3. C'est bien, j'avais plein de lances, j'étais là, mais c'est Sarah... Pour qui, les lances? Elle est pas belle, cette lance. Elle est vraiment moche, hein. Mais bon, il y a des petits trucs sur les côtés, ça doit faire mal. Voilà, j'ai la lance de Favonius. Et avant, c'était quoi? Lance du débutant. Faut arrêter les trucs de débutant, ce n'est pas moi. Je suis expérimentée, genre comme ça. Voilà, rien à voir, elle est beaucoup mieux, cette lance. Regardez ça. Tout de suite, c'est vachement mieux. Hop, le petit peluche qui fait de... Là, je le mets, il peut pas mettre le feu, il y a du sable. Ah merde. Il a quand même réussi à mettre le feu. C'est trop marrant qu'il mange son piment et qu'il enflamme tout. J'avoue, c'est mignon comme truc. Putain, j'aurais dû mettre tout ça dans le sable. Bon, voilà, je vais pouvoir arrêter de streamer ce soir. Il y avait grave de monde, hein, c'est parce que c'est la nouvelle horreur. La nouvelle horaire. La nouvelle horreur, ça c'est pas bon. C'est pas le bon mot. Ikkyu-kun met le feu. Mais Ikkyu-kun, tous les mauvais conseils, t'es toujours là. Ton Kaeya est bien, malgré ses bonnes idées. Tu peux plus jouer sur téléphone, c'est triste ça, t'en peux plus jouer sur téléphone. C'est-à-dire que ton jeu est sur téléphone, mais qu'il y a des bugs. Ça va être compliqué sur téléphone. Pour faire le planer en planeur et tout là, je pense que c'est compliqué. Ah, mais il y a une meuf qui demande des trucs à côté là. Je l'ai pas vu. Ah, mais oui, c'est ma mission tout à l'heure. J'ai fait. Oh, je l'ai même pas fini, je suis trop bête. Elle m'a demandé des carottes, j'ai fait ok. J'ai oublié de lui donner. Bon, c'est pas grave, faut lui apporter. Tu veux qu'on vienne éclater du boss? Ça y est, Kokun il est rentré chez lui, il est en pleine forme. Ben, en fait, faudrait que je arrive à finir la mission du jour là que j'ai pas réussi à faire. T'étais là quand je faisais les. Oui, t'étais là tout le temps de toute façon, toi. Les Brutocolinus que j'ai pas réussi à battre là. Enfin, non, la mission du Brutocolinus que j'ai pas réussi à faire. Ah, j'étais triste. Mais les mecs, trop forts quoi. Oui, j'ai trouvé. C'était loin, hein. Je suis allée chercher super loin. Hein. Alors que, en fait, je les avais déjà, mais. Complètement raté cette mission. Un stream Johnny Hallyday, oui, parce qu'on met le feu, c'est ça. T'as pas Noël, Mick Mick? Alors, Noël, on l'obtient. Que je dis pas de bêtises. Si, alors Noël, c'est la. En fait, c'est quand tu vas faire tes premiers tirages ici, là. Donc, dans les tirages. Il y a une bannière qui s'appelle Bannière du débutant. Parce que tout s'appelle du débutant dans ce jeu, ça m'énerve. Ça shame un peu les débutants. Ou dans laquelle il y a Noël que t'es sûr d'avoir en, je sais plus, 10 tirages, je crois. Enfin bon, donc c'est pour te forcer à... C'est un genre de tuto de tirage, donc tu fais le tuto. Et après, tu as quasiment... Voilà, t'es sûr d'avoir Noël. Hé, hey, Oli, t'arrives, dis donc, bien tard. Et qu'est-ce qu'il veut que je boive? Tu arrives à un moment où j'allais finir peut-être, mais on m'a dit d'aller battre des boss. C'était bien chouette. Mais ouais, mais moi je voulais arrêter, c'est vrai ça, le Libus il a raison. Tu galères en donjon. Mais bon, j'ai Daddy. C'est qui Daddy? Il m'aide beaucoup. Je viens de rentrer au lit, d'accord. Oh, les petits cœurs trop cool et la pastèque. T'as pas osé faire ton tirage non plus? Bah voilà, c'est comme ça qu'on a Noël. En fait, c'est un peu pour te l'offrir. Oh, il mange une pomme. C'était une pomme. C'est pas du piment chelou. Hein. Ah, Chongli! Chongli Daddy, oui, je comprends mieux. Chongli, moi je suis un peu dégoûtée parce que j'ai commencé le jeu pour avoir Chongli et je ne l'ai jamais eu. J'avais pas assez de primogèmes. Non, tant pis, je fais pas les boss, j'ai trop chaud, ma lampe s'éteint, c'est un peu chaotique. Mais Ikkyu-kun, on peut. Ouais, non, on fera peut-être ça une autre fois, mais. Il me reste que 4 jours pour finir la mission, je suis dégoûtée. Ouais, Ikkyu-kun, il y a eu un sondage sur Twitter pour définir le meilleur perso du jeu et c'était Chongli qui a gagné, donc bon perso. Qu'est-ce qu'elle dit la voix off? Écoutera-t-elle sa commu? Ira-t-elle taper des boss, se coucher? Non, me coucher, faut pas exagérer quand même, mais faire autre chose, ou jouer tranquillement, tu sais, genre sans... Sans la pression des gens qui te regardent échouer pendant des combats. Non, mais je fais... En tout cas, j'arrête mon stream, je fais pas de quête, là. Ah, le jour se lève, c'est joli. Regardez, je suis un petit ralenti. On est en temps de voir tout le paysage, mon nouveau perso, mon stat.
le panda sur ma tête. Et tout le reste. Voilà. Parfait. Bon, allez, je vous envoie en raid chez quelqu'un. Merci tout le monde d'être venu. Merci d'avoir été là à m'encourager avec des formules pourries pour les tirages. Mais bon, merci quand même. Même si c'était à base de durian et de ligne 6. Qui sont pas les trucs que je préfère dans la vie, hein, mais bon. Et t'as pas eu ta dose de gacha quand même, et Kyokun, là je t'en ai donné hein, du gacha, j'ai fait tout mon possible. Sa première bannière était en décembre, sa seconde était en mai. Bah j'espère qu'il reviendra parce que du coup je l'ai raté les deux fois moi. En décembre je jouais pas encore et en mai je venais de commencer et j'avais pas assez de richesse. Merci Schematic Wizard, merci Lolibus, merci Kyus, merci Liz. Merci Yoda, J971, qui c'est tout très compliqué, mais en plus tu t'es abonné, donc merci à toi. Et Nymphae, merci aussi. Bonne nuit tout le monde. Alors, oui, c'est vrai qu'il est tard, je dis pas dormir, mais enfin. Chez qui je peux vous envoyer? Qui c'est qui stream que je connais? Ouais, ben il y a Alice Blaise, hein, on va vous envoyer chez Médoc. Chez Médoc. Après, je vais être obligée de dire bonjour et tout. Elle va me dire « Oh, Siro, ça va? Comment ça va? Ça fait plaisir. » Alors, quand ça s'écrit « Alès Blaz ». Oui, pas « Alès Blaz ». « Alès Blaz ». Il faut que je ne me trompe pas dans le nom. Je vous envoie chez lui. Il faut que je le note d'abord. Il faut mettre les majuscules et tout. C'est trop chiant, ça. En plus, il vient de commencer, je pense, lui. « Alès Blaz ». Je suis sûre que Corélissane, elle est déjà là-bas. Voilà, raid est lancé. Et si Raid, bien sûr, des bisous. Clockpunk, ah non, elle est là, Coralie. Bisous, bisous, à bientôt tout le monde. Non mais j'ai dit les gens que je voyais le pseudo s'afficher sur le chat, c'était pas un ordre de préférence évidemment. Le pauvre Raid, c'est le meilleur en plus. Bonne soirée, à bientôt, bisous.